Bonsoir à tous et bienvenue sur Europe 1. Et voilà, on se retrouve comme tous les soirs pour notre émission de Libre Antenne qui commence à 22h parce que c'est l'été sur Europe 1 et 39-21 notre numéro d'appel. Alors on a trois belles heures qui se dessinent devant nous pour bavarder, échanger, se souvenir. Voilà, on va parler ensemble de ce qui est important pour vous, de vos rêves, de vos attentes, de vos frustrations aussi parce qu'on en connaît tous. C'est l'été, pour un certain nombre, c'est déjà les vacances ou bien leur H du départ arrive. Comment ça se passe? Que vivez-vous? Qu'en attendez-vous? Que ressentez-vous? J'attends vos appels au 39-21 pour me raconter tout ça. Vous attendent aussi Sonia et Quentin au standard tout au long de la soirée. Un grand merci à eux. Et puis merci à Fifi qui réalise si bien et parfaitement cette émission. 39-21, notre numéro d'appel. 7-39-21 pour vos SMS en commençant par le mot nuit et vos mails sur notre site europe1.fr. Caroline Veil sur Europe 1. Bien, je vous propose de commencer cette émission avec Christelle. Bonsoir Christelle. Oui, bonsoir Caroline. Écoutez, je crois que vous êtes, dites-vous, à bout d'arguments avec votre fils qui développe des troubles obsessionnels compulsifs depuis 2 ans, c'est cela? Oui, oui, deux ans et demi, oui. Bon. En fait, il a 20 ans et il a commencé à faire beaucoup de musculation. Oui. Et puis, donc, il a développé une tendinite après l'autre, donc qu'il a invalidé. Et puis, je suis en stress. Bah oui, je comprends. Posez-vous. On va faire oui, ça tranquillement. J'ai envie de tout vous dire d'un seul coup pour que vous ayez le plus de temps pour me conseiller parce que je suis désespérée, en fait. Mais je vous comprends parce que c'est déstabilisant un enfant qui d'un seul coup est en proie à ce genre de trouble. C'est très déstabilisant. Il n'entend pas, il veut pas adhérer aux soins, donc il a été examiné, on a consulté, il a eu des séances de rééducation, il a même eu une IRM qui a rien décelé. Bien sûr. Donc lui était en demande d'une infiltration, donc c'est pour ça que l'IRM avait été passé pour pas faire d'impair parce qu'il était jeune. Oui, parce que si j'ai bien calculé en fait, il a 20 ans, donc tout ça a commencé, il avait 17 ans et demi. Oui, c'était l'année de son bac, 18 ans. Ouais, l'année de son bac, voilà. D'accord. Voilà. Il est brillant, il est on apprend par opportunité, enfin là c'était la prof de mon troisième enfant qui m'a appris qu'il était major de sa promo, il nous l'avait pas dit, il est très introverti, il est fermé au niveau de ses émotions, il sourit rarement, enfin pas comme un enfant de 20 ans devrait le faire, on va dire. Et puis, donc à la suite de ça, bah, il a mis des rituels en place. Alors j'ouvre le robinet de douche avec les dents, la carafe d'eau, il la prend comme un enfant, comme s'il avait un enfant dans les bras. Enfin, il préserve vraiment ses poignets alors que... Il préserve ses poignets. Voilà, alors, c'est ça. Il prolonge les soins, lui. Et il a même exposé ses poignets à des brûlures comme des mini escarres en fait. Il a glacé ses poignets par mesure antalgique. Alors je sais pas. Oui, c'est son rituel à lui, ça ne correspond à rien. Donc, au moment où on a vu que ses poignets étaient creusés, on lui a supprimé sa glace. Il nous a fait une crise comme un toxicant en manque. Rends-moi ma glace. C'est exactement ça. Voilà. Et donc on en est que j'ai quand même, enfin je travaille en milieu hospitalier, j'ai vu une infirmière psy qui m'a conseillé d'aller consulter auprès du CMP. Bien sûr. Mon mari étant à bout, il voulait l'emmener au CAOD, on nous a déconseillé, donc on s'y est déplacé mais que tous les deux. Donc on a eu un rendez-vous en CMP avec une infirmière psy. Arrivé, j'ai eu du chantage, rends-moi ma glace et j'irai au rendez-vous. On arrive devant le CMP, il s'est sauvé. Donc j'étais dépitée. Et mon mari l'a rattrapé. Et je lui ai demandé s'il voulait que je l'accompagne. Il m'a dit oui. Donc il a eu son entretien, il répondait que par oui ou par non. Avec qui l'entretien? Une infirmière psy. Une infirmière, pas un psychiatre? Oui. Non, alors après, elle lui a fixé un rendez-vous avec un psychiatre. C'était ça, début juin.
On y a été tous les deux, il y a été seul, enfin il a eu sa consulte seul. Le psy a demandé à me voir avec lui pour lui expliquer, parce que sa préservation de ses poignets, ça a été jusqu'à quand il conduit, pour passer les vitesses, il lâchait le volant. C'est ça, c'était le déclencheur que, voilà, il se mettait en danger, que bien c'est sûr. Pour ça qu'on voulait aller au CAOD, quoi. Évidemment. Et à la sortie de son premier rendez-vous psy, il a dit ça sert à rien, c'est de l'argent foutu en l'air. Et on avait un rendez-vous le 27 juin auquel il n'a pas été. Il a appelé pour annuler le rendez-vous. Il a appelé. Que vous a dit à vous le psy quand vous l'avez vu ? Ben, il m'a dit qu'il était très timide, il m'a dit à demi-mot que c'était des troubles obsessionnels compulsifs, que ça soignait très bien par thérapie comportementale. Exactement. Mon fils l'a entendu et il l'a pas intégré. Il m'a dit je m'en occupe. Donc il adhère pas du tout aux soins, quoi. Quand je vous ai appelé lundi, moi la première fois, ils se sont bousculés avec son père parce que il s'est dépêché. Alors il boit pas à table non plus avec nous parce qu'il se remplit des verres mais énormes pour pas qu'on le voit se servir, pour pas qu'on le voit boire. Alors c'est des verres à chaque fois à ras bord. Et son père il s'est dépêché de manger et il est sorti de table. On lui a dit de rester à table. Et ils se sont bousculés, mais ils ne sont pas... Bien sûr. Mais quand on est désemparé... Mais c'est traumatisant, oui, c'est traumatisant, parce qu'on ne sait plus quoi faire. Enfin, moi, je me sens impuissante. On se sent tous impuissants, même son petit frère, qui a 17 ans, pour jouer, quand il tire le ballon pour jouer au foot dehors, il esquive en se mettant derrière un sapin pour ne pas l'avoir à le recevoir avec les mains. C'est ennuyeux. Est-ce que vous avez un médecin de famille ? Écoutez, moi je crois qu'il faudrait obtenir de ce médecin qu'il vienne chez vous parce que votre fils n'ira pas. Et qu'il lui explique. Et puis là, il va à Orléans l'année prochaine en licence physique. Et voilà. Ouais, vous faites du souci parce que je veux dire. Parce que je me dis que là-haut, il sera tranquille, il fera ce qu'il veut, quoi. Il fera ses rituels et que. Ouais, donc il veut y aller, il va tout mettre en œuvre pour y aller, il va se surpasser. Je crois que ça serait bien que vous... Parce que là, on a besoin d'un tiers. Vous voyez ce que je veux dire. Vous ou votre mari, malgré tout l'amour qu'il a certainement pour vous, il ne vous entend pas. Vous n'êtes pas... Je veux dire, votre parole est sans poids sur lui. Oui, oui, c'est oui, comme oui. si vous n'êtes pas crédible. Personne ne le comprend, pense-t-il. C'est vrai que votre fils est certainement en proie à une grande souffrance. C'est quelque chose qui s'est développé l'année du bac, qui a dû être pour lui un moment d'anxiété, mais pas seulement. Il y a aussi les problèmes liés à la fin de l'adolescence, la sexualité notamment, ouais, etc. Je lui ai posé la question s'il était heureux. On était tous les deux à table. Je lui ai dit « Vincent, est-ce que tu te sens heureux dans ta vie ?» Alors il me dit « Oui. Est-ce que ça te dérange de ne pas avoir de pieds ?» Parce qu'il ne sort pas non plus du tout. Il a peur d'abîmer ses poignets ou qu'on lui fasse mal. Il a peur aussi du jugement des autres devant la façon dont il prend les objets. Donc comme il ne veut pas être en proie ou en but aux moqueries, ou vous savez, il préfère rester chez lui. Écoutez, je crois que seul un médecin, c'est-à-dire la parole d'un médecin, peut le convaincre. On en est là. Il faut que je revoie mon médecin, enfin qu'il retourne voir mon médecin traitant. Il ne retournera pas le voir. Est-ce que vous croyez, est-ce que ce serait possible que ce médecin se déplace ? Oui, c'est un médecin de famille qui me connaît depuis toute petite, oui. Voilà, parce que il n'ira pas. Par contre, si ce médecin, vous l'invitez chez vous pour un apéritif ou pour boire un verre, etc., et qu'il le voit, je pense que c'est la personne qui est le plus à même de lui parler. Encore une fois, Christelle, c'est pas que je mette vous l'avez très bien identifié. Alors, on peut pas se prononcer sur le diagnostic, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que votre fils a besoin d'un traitement. En plus, il est obtus par rapport au traitement médicamenteux. Il prend même pas de doliprane, de paracétamol quand il a mal de tête. Ouais.
Donc, je pense que certainement il a besoin d'un traitement, mais moi je suis pas médecin, donc je peux pas me prononcer là-dessus et je peux absolument, enfin c'est pas mon rôle de. Mais c'est un médecin qui doit poser le diagnostic et qui doit l'orienter. Et il écoutera beaucoup plus un médecin qu'il connaît, qui est un. Il faut du tiers là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, d'accord. Il faut du tiers et quelqu'un qui a du poids, c'est-à-dire si c'est quelqu'un qu'il connaît depuis toujours et en qui il a confiance, c'est la personne qu'il est le plus à même de d'écouter. Et rassurez-moi, est-ce que, enfin, moi je me sens pas du tout prête à une hospitalisation. Je veux dire, c'est pas ce qui risque de nous arriver. Écoutez, très sincèrement, je n'en sais rien. Je ne connais pas votre fils, je peux pas évaluer le degré comme ça. Bon, ça me semble sérieux comme problème. Ça me semble sérieux, il faut pas se le cacher. OK. Il faut pas se le cacher parce que il en est néanmoins à se faire du mal lui-même, à mettre sa vie à avoir une conduite à risque pour éviter quand il conduit notamment, il en a à se faire du mal puisque ses poignets, vous dites que ça a donné lieu à des scarifications soi-disant pour des histoires antalgiques testées cela. C'est même je ne peux pas faire de diagnostic, seul un médecin peut le faire et un médecin de famille dans un premier temps qui va l'amener peut-être à voir un psychiatre. Je ne sais pas si c'est au CMP. Je crois qu'il vaudrait mieux consulter à l'hôpital. D'accord. Il vaudrait mieux consulter à l'hôpital. Vous avez certainement un hôpital dans la région. Oui, on a un hôpital psychiatrique. Ouais. Je crois que ça serait bien qu'il y ait. À l'hôpital général, il n'y a pas de consulte psy à part avec une infirmière. Ouais. Mais il y a des psychologues. Et pas de psychiatre. Non, il faut un psychiatre. Général. Il faut un psychiatre. Il faut un psychiatre parce que seul un psychiatre va poser le diagnostic. C'est la personne. Parce que là. En espérant que mon médecin va réussir à le convaincre. Oui, il faut qu'il le convainque parce que là, si vous voulez, c'est un psychiatre parce qu'on est dans la pathologie. Mais certainement, il en souffre. Alors, il a tout pour être bien. On est une famille équilibrée. Il est intelligent. Il est mignon. Il est beau. Bien sûr. Comment ça se passait avant, Christelle? Il était jovial. Il avait une bouille de clown. Je disais que c'était même mon petit sumo parce que il était rondouillard. Et puis il a changé. Il s'est renfermé petit à petit, en grandissant, oui. Vous dites que c'était votre petit sumo. Est-ce que c'est pour perdre du poids qu'il s'est mis à faire de la musculation? Non, parce qu'en fait, je pense qu'il n'a pas confiance en lui. Il avait pris 10 kilos en même pas une année. Et mon médecin traitant lui avait dit de faire attention. Il avait pris 10 kilos. Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, il faisait de la musculation. À la maison, on lui avait acheté un petit banc de musculation pour le récompenser d'avoir bien travaillé. Il a commencé à faire de la musculation à la maison, sans sortir, mais à la maison. Oui. Et il a pris du poids, il a pris du muscle, quoi, en peu de temps. Ah, d'accord, du muscle. Mais oui. Avant, il avait des copains, il avait... est-ce que... Il sortait pas régulièrement non plus, quoi. Non, il avait il y avait des petites copines, des choses. Non, il a eu un flirt. À quel âge? C'était vers 13-14 ans. Ouais. Et pas après 15-16, non rien. Non, pas à ma connaissance. Bon, il sort jamais le soir, il va jamais en ville, il reste devant la télé, il fait ses devoirs. Il sort faire une partie de foot qui dure 5 minutes, c'est tout ce qu'il fait. Il fait une partie de foot, oui. Vous dites que dans votre mail que il veut même pas prendre le ballon de peur d'abîmer ses poignets. Voilà, oui, il se cache quand son frère lui tire assez fort pour pas avoir à la réceptionner avec ses mains. Il se met derrière un sapin. Il se met derrière un sapin. Oui, ouais. Pour l'esquiver, oui. D'accord. Donc pour éviter le réflexe, voilà. En fait. Voilà. Pourquoi vous lui offrez le petit banc de musculation? Parce que on leur avait demandé ce qu'ils voulaient à Noël et puis pour les récompenser et faire un beau cadeau, et lui avait choisi le banc de musculation. D'accord. Quelles étaient ses activités avant? Il n'en avait pas. Du tout? Il avait fait pendant un mois ou deux de la boxe.
Ouais. C'était bien avant ses 18 ans. Ouais. Il est parti en stage à Lunéville parce qu'au départ, il voulait faire l'armée après son bac. Et en fait, l'expérience a été... Il a pas accroché, quoi, avec le système militaire. Et puis après, il a rien fait de particulier, en fait. Hein, il a rien fait de particulier. Donc, en fait, c'est quand il commence à faire de la musculation avec beaucoup d'intensité pour avoir des... Oui, des muscles. Ouais, des voilà. Muscles qu'il commence à avoir des tendinites. Comment vous expliquez ce désir d'avoir des muscles? Est-ce qu'il avait parlé devant vous de complexe, d'un surpoids? Non, 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 non. Non, jamais. Parce qu'en plus, il était pas gros, hein, du tout. Enfin, pas. Il n'avait pas d'excès de poids quand il a commencé la musculation. C'était vraiment pour acquérir, je pense, de l'importance physique. Je pense qu'il a du mal à s'affirmer et qu'il a besoin. Quand on le sollicite, il va répondre, mais c'est pas lui qui va initier le contact ni la conversation. Il peut rester muet si on le sollicite pas. Ouais. Écoutez, donc il a pas, il est voilà, d'une certaine manière, si on le sollicite pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore dans l'évitement du contact, mais on n'est Non, pas non. très loin. On n'est pas très loin. Moi, je pense que ce serait bien que votre médecin passe vite, parce que c'est lui qui peut l'amener à lui faire comprendre qu'il s'agit d'une pathologie. Oui, Là, oui. on est dans le registre de la pathologie. Donc un médecin, c'est le plus adapté hein, pour ça. Oui, et puis il est plus proche, il sera plus proche en étant quand même de l'extérieur. Voilà, je crois qu'à un certain moment, ce serait pas forcé. S'il peut, si vous pouvez le laisser un moment seul avec lui, ça serait bien. D'abord avec vous, un petit peu comme ça, on bavarde, dit deux trois mots, et puis ce qui serait bien, c'est qu'il s'entretienne avec lui seul aussi, de façon à ce que ça soit pas devant vous, qu'il n'ait pas forcément honte. Oui, qu'on n'ait pas à écouter. Voilà, et puis vous revenez, et puis le médecin éventuellement fait un petit résumé, mais je crois qu'il faut quand même qu'il aille consulter à l'hôpital. Ok. Parce que c'est... Vous savez, il est en souffrance. Oui, je le vois, mais c'est vrai que une mère, quand on voit son enfant en souffrance, on lui donne un traitement, on l'emmène à l'hôpital. Oui, mais c'est encore un enfant. Donc, il est comme tous les enfants, vous savez, il est comme un enfant qui voudrait pas d'un suppositoire. Ouais. Voilà. Il fait son petit caprice. C'est ça. Il nous non. fait sa crise d'ado, enfin, pas son petit caprice, mais il nous fait sa crise, j'ai l'impression qu'il nous fait sa crise d'ado là. Non, maintenant. Non, c'est pas une crise d'ado. C'est D'accord. pas une crise d'ado. C'est autre chose. C'est plus important que ça. Et vous pensez que c'est lié à un événement qui se serait passé dans sa vie à... C'est la question que je me pose. Vous avez interrogé ses amis ou éventuellement... Non. Non. Ben non, parce que je ne les vois pas, donc... Ouais, et puis en même temps, il aura peut-être le sentiment aussi d'être trahi. Mais oui. Il est brillant parce qu'il s'enferme et parce qu'il travaille beaucoup, et puis parce qu'il doit vouloir s'éloigner pour pouvoir procéder à tous ces petits rituels tranquilles. Mais je crois qu'il serait mieux... Mais en même temps, il angoisse quand même de partir, parce qu'il a même dit à sa sœur aînée, qui est infirmière, il lui a dit, bah, pourquoi tu te fais pas muter là où il va aller en fac, quoi. Ah en oui fait, voilà, c'est ça qui m'a... Il m'a pas l'air rassuré de partir. Peut-être qu'il ne faut pas qu'il parte. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'il aille consulter. Vous voyez, peut-être qu'il ne faut pas qu'il parte. Je vais mettre en stand-by ses études. Bah, on ne sait pas. Vous voyez, moi je suis pas médecin, je suis pas psychiatre. Je crois que c'est important. Il a quand même des vrais troubles. On va pas se le cacher. Donc c'est pas juste un peu, vous voyez, il est renfermé, il évite le monde, il vit d'une certaine manière juste avec vous. Quand vous lui supprimez sa glace, il est parce que vous le faites, parce que vous êtes inquiet. On lui dit que c'est parce qu'on s'inquiète et qu'on l'aime, que c'est pour ça qu'on agit comme ça. Bien sûr, mais vous voyez le type de réaction qu'il a, c'est-à-dire que c'est effectivement comme si vous lui retiriez quelque chose. Donc pourquoi a-t-il besoin de cette glace? Voilà. Bon, c'est pas facile tout ça.
Écoutez, comment c'est... Lui justifie, il dit que c'est comme il fait des étirements, il a besoin de sa glace. Donc il nous fait comprendre qu'il fait travailler ses poignets quand même, mais en ayant besoin tout de même de la glace pour refroidir certainement ses tendons ou je ne sais quoi. Oui, mais c'est n'importe quoi. Ouais, voilà, ça n'a pas de sens. Écoutez, faites venir votre médecin. Oui, je pense que c'est le mieux. Okay. Parce que ça lui fera prendre... Le fait que ce soit un médecin, ça lui fera prendre conscience que c'est une maladie. Oui. C'est ça qui est important. Que ça, c'est au-delà de... c'est au-delà de... d'une simple lubie, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Que c'est sérieux. Ok. Et le médecin va lui dire que c'est sérieux. Ok, d'accord. Bon. Bon courage, Christelle. Merci beaucoup. Bon courage à vous, et puis donnez-nous des nouvelles, éventuellement. Ok, c'est gentil. Je ne manquerai pas. Merci. Merci beaucoup, Caroline. Merci de votre confiance. Au revoir. Au revoir. Prenez votre temps et savourez. C'est l'été sur Europe 1. Pour parler à Caroline Veil, appelez le 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Seven years, lose 15 grammes. Et puis nous allons poursuivre avec Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir Caroline. J'ai bien compris, c'est la première fois, dites-vous, que vous appelez, voilà. Alors que vous nous écoutez souvent. Oui, tous les soirs, oui. Je suis un peu intimidé, moi, enfin, disons ça, peut-être un peu... Oui, mais ça va aller bien, on va bavarder. On va bavarder ensemble, et puis vous allez voir, vous allez oublier. Bon, racontez-moi. Oui, je vais raconter un peu mon histoire, parce qu'en fait, c'est pas très banal. Donc, posez-vous d'abord, mettez le téléphone prêt, que je puisse bien vous entendre. Je suis en face du micro. Voilà. Donc, j'habitais à Paris auparavant, je suis venu à Bordeaux pour des raisons suivantes, c'est-à-dire que je ne m'entendais plus avec mon épouse, ma situation s'est dégradée à Paris. Pourquoi ça s'est dégradé, Alain ? Parce qu'il y avait la retraite qui était arrivée. Oui. Et il y avait beaucoup de choses qui allaient plus depuis plusieurs années déjà. Je sortais plus avec, je prenais des vacances avec mes collègues. Pourquoi, enfin, pourquoi vous en étiez arrivés là, tous les deux ? C'est-à-dire qu'il y avait un fossé qui s'est créé. Il y a eu un problème peut-être avec ma fille que j'avais mise en pension, elle n'était pas d'accord. Enfin, ah d'accord. Tout ressemble bien. Pourquoi vous l'avez mise en pension, votre fille ? Bien, c'est-à-dire, je l'ai mis en pension parce que à l'école publique, ça n'allait pas très bien dans l'arrondissement où elle était. Ouais. Et je l'ai mis 2 ans en pension. Voilà. Après, elle a eu son bac. Et maintenant, elle est universitaire à Paris 8. Bravo. En licence de psychologie. Enfin, je pense que j'ai fait de bonnes actions. Enfin, disons, mais je pense que vous avez eu raison, peut-être. Mais est-ce que vous ne pouviez pas... Est-ce que vous ne pouviez pas juste la changer d'établissement ? Pourquoi est-ce que vous la mettez en pension ? C'est-à-dire l'établissement public d'un arrondissement, je ne vais pas le situer. Mais je vous entends. Articulez un tout petit peu plus, Alain. Oui, les établissements à l'est de Paris ne sont pas toujours en public, ce n'est pas difficile. Donc, comme elle était très influençable, je l'ai mis à Mureux-sur-Oin, dans Seine-et-Marne. Voilà. Et je l'emmenais tous les week-ends. J'ai fait ça pendant 2 ans. Elle a eu après son bac. Mais elle était heureuse en pension ? Comment ça s'est passé ? Non, pas très bien, non. J'avais des retours des professeurs assez difficiles. Enfin, on arrivait quand même à caler son bac, parce que c'était important pour qu'elle puisse continuer. Mais après, elle a fait le mannequin à Hong Kong. Ouais. Vraiment, j'ai envoyé des mandats, puisqu'en fait, elle ne faisait pas le mannequin tous les jours. C'était très aléatoire. Je crois qu'elle était exploitée par l'agence de mannequinat de Paris.
Enfin, ça c'est bon, ça dure un an. Oui. Et là, je l'ai vu dernièrement parce que j'ai gardé un peu de contact quand même avec sa mère aussi, amicalement bien sûr. Et donc là, elle a repris ses études universitaires à Paris 8. Elle a bien passé ses partiels, il n'y a pas de problème. Je suis content pour elle. C'est pour lui qu'elle ait son avenir, qu'il soit, qu'il s'affirme de plus en plus, quoi. Bon, et donc vous avez quitté votre épouse parce qu'un fossé, vous dites-vous, s'était creusé entre vous. Oui, oui. Il n'y a plus rien, plus une relation de tout. Enfin, elle est d'origine asiatique en plus. À des fois, on a fait du mal à se comprendre. Et donc, c'était un peu difficile. Oui. Mais enfin, c'est très bien. Mais c'est depuis ma retraite, hein, donc j'ai vu que moi, je suis parti avec mes valises et je me suis installé à Bordeaux. Oui. Voilà, c'est très simple. Je m'avais habité à Bordeaux auparavant. Je suis mon frère aussi qui avait dans la région. C'est tout ce qui est moins qu'une famille. En fait, c'est pas grand-chose. En fait, enfin, disons que maintenant j'ai un peu de problème, c'est-à-dire pour créer du lien social ici, parce qu'en fait, je me sens un peu isolé. Isolé. Oui. Ouais. Oui. Alors je m'occupe de moi parce qu'en fait, je reste positif quand même. J'ai un ami qui fait des études de psychologie en plus à Nanterre. Ouais. Donc je vais faire une cure thermale à Dax avec lui au mois d'août. C'est bien. Oui, j'essaie d'être positif. Je aussi, je suis un nutritionniste parce que j'ai quand même ramassé un divorce, un arrêt de travail, un déménagement. Oui, ça fait beaucoup. J'imagine que vous devez vous sentir. J'ai des problèmes de cœur après. J'ai eu des problèmes de cœur, de tachycardie. Oui. Vous êtes jeune, hein, 65 ans. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faites à Bordeaux ? Ben, vous savez, vous connaissez Mythique ? Ouais. Alors, non, j'ai expliqué que hier, j'étais voir une relation mythique à Lacanau en voiture. Merci, j'ai fait 50 km. Oui ? Allô ? Allô ? Ah, on a perdu Alain. Alain, je vous ai perdu. Bon, bah écoutez, on fait une petite pause en attendant de nous retrouver. Pour parler à Caroline Veil, appelez le 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Alain, on vous a retrouvé ? Allô ? Bah non, je pensais qu'on avait retrouvé Alain et visiblement j'ai une petite sonnerie, mais pas de... Je suis bien là, pas de problème. Ah bah écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, on vous a perdu, j'étais inquiète. Heureusement, vous êtes là, voilà, on vous a retrouvé. Alors donc vous étiez à Lacanau oui, aujourd'hui, voilà, pour avoir une relation. Non, parce que oui, j'essaie de faire du lien un peu positif, parce que vous savez, je reste pas devant le canapé à regarder la télévision. J'essaie de faire quelque chose parce que là, j'ai l'impression que je vais tomber en dépression autrement. Mais oui, mais déjà, je vais vous dire, je pense déjà que vous êtes en proie à un petit sentiment de déprime parce que un divorce, un déménagement, ensuite 20 ans de mariage, après 20 ans de mariage, c'est pas rien. Ouais, c'est ça, ouais. Plus le fait d'un seul coup d'une activité qui s'arrête. Malgré tout. Oui, j'étais hyperactif avant, oui, c'est vrai que j'étais dans les bureaux à la ville de Paris. J'étais responsable administratif, donc c'est vrai que bah voilà. Ça m'a posé des problèmes de santé. Là, j'ai pris 10 kilos en plus, j'ai pris 10 kilos de plus. Moi, ouais. Je vais voir un nutritionniste, je suis obligé de faire un plan nutritionniste. Ouais. Donc c'est un docteur que je vois tous les mois avec un plan. Un plan de journée alimentaire. Oui, mais ça suffit pas à remplir vos journées. Ah non, franchement, moi je sais, il faut que je fasse du sport, je sais, j'ai beaucoup de choses à faire. Alors, est-ce que ça s'est bien passé pour vous hier à Lacanau ? Ah oui, c'était très gentil, oui. On a beaucoup d'affinités, on est la même année, Oui. Ça, c'est vrai que. Mais je ne tiens pas à une liaison avec son mari, parce qu'on en parle à la troisième personne. Monsieur n'est pas là aujourd'hui, il est à la pêche, donc. Ah, elle est mariée. Je peux venir. Oui, voilà. Ouais, ça va être un souci, parce que j'imagine que ce n'est pas forcément le genre de relation dont vous avez envie. Non, les catastrophes, je préfère les éviter, parce que je crois que j'ai eu ma part. Moi, je suis femme.
mensuel, puis je suis net, hein. Moi je suis tout seul, je vis tout seul, j'ai pas, bah oui. j'ai personne, je vois pas sur des nouvelles bases, je vais peut-être oublier un peu le passé, voir autre chose, parce que pour le nombre d'années qui me reste à vivre, je tiens à les vivre en bonne uniforme, en bon état, quoi. Bien sûr. Alors, je vais vous dire, Alain, est-ce que vous êtes allé voir dans cette nouvelle ville que vous habitez maintenant, à la mairie, voir quelles sont les activités déjà que propose la mairie? Oui, j'ai fait carte senior, j'ai fait des activités, mais enfin... Et alors, ça consiste en quoi? Ils font des clubs de gymnastique, ils ont des clubs d'informatique ou d'anglais. Ça me plaît pas, oui. C'est pas le même âge, j'ai l'impression qu'ils sont plus vieux que moi. C'est possible. Maintenant, si vous voulez, qu'est-ce que vous aimiez faire avant? À quoi vous avez... J'aimais bien le sport, j'aimais bien aussi l'anglais et puis l'informatique. J'aime beaucoup aussi les jeux de cartes. Alors, pourquoi est-ce que vous ne vous inscrivez pas dans un club de cartes? Oui, ça serait peut-être une bonne idée, oui. Parce que là, vous allez rencontrer des gens, en tout cas avec qui passer l'après-midi. Est-ce que vous dites que vous aimez bien le sport, pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous inscrire dans un club de sport? Là aussi, vous allez rencontrer du monde. Vous êtes très seul aujourd'hui, il faut vous faire des nouvelles connaissances. Ah oui, je suis isolé, oui, c'est encore plus dire. Moi, c'est mon frère, j'ai pas beaucoup de contact, il habite à Blaye, c'est pas très loin, mais sa maison est un peu isolée. Moi, je suis plutôt citadin. Et c'est vrai, mais j'ai l'impression que je suis un peu réservé, quoi, pour tout ça. Oui, mais un club de cartes, bon, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des intérêts communs. Donc, si vous aimez bien ça, vous allez, l'intérêt des cartes, c'est qu'on a des partenaires, on joue pas tout seul. Oui, j'aime bien jouer, en plus. Parce que là, je crois que je dépense beaucoup d'argent chez Mythic. Oui. Ça va coûter peut-être 150 euros. Ouais, et finalement, pour pas grand-chose. Pas grand-chose, parce que là, j'ai encore un message ce soir, marqué, merci pour ce message, votre profil ne correspond pas à mes attentes. Moi, ce qu'on n'est pas, on s'est pas vu, je sais pas comment on peut mettre ça. Oui, écoutez. J'imagination, hein, je sais pas, mais... Mais enfin, si on est virtuel, moi, j'aime pas trop non plus. Hein. Bon, alors, il vaut peut-être mieux vous éloigner de ça. Il vaut peut-être mieux vous éloigner de ça, là, tout de suite, et puis rencontrer les gens de visu par le biais, justement, d'intérêts communs, comme un club de cartes, un club de sport, peut-être que vous allez rencontrer. Il y a aussi certainement des clubs de marche. Mon âge, à peu près, quoi, de ma génération, parce que... C'est ça qui est plus difficile, quoi. Non, pas du tout. Parce que je reçois des SMS de la part de nos auditeurs qui disent il y a des associations à Bordeaux dans les quartiers, peut-être que vous pouvez. Oui, c'est une association de quartier, ben, c'est justement là où j'ai été, c'est mon quartier Mériadec, je suis dans le quartier Mériadec, au centre de Bordeaux. Voilà. Et donc j'avais trouvé, là il s'est fermé parce que ça, c'est les vacances, et ça recommence au mois de septembre, ils ont un club aussi d'aquagym. Mais je pense que c'est la meilleure solution pour moi parce que je ne veux pas rester dans cette frustration affective et puis un manque de beaucoup de choses, quoi. Ouais, et puis vous savez, moi j'aime. Ça m'a retombé dessus un jour. Oui, et puis moi je pense que pour l'instant, si vous voulez, Mythique, ça va surtout vous entraîner dans cet état de déprime là dont il faut sortir. Oui, voilà, je reçois 40 mails par jour le matin, j'en reçois 40 l'après-midi. C'est très chronophage. Ça ne sert à rien, c'est vrai que ça me prend du temps. Puis enfin, le résultat, c'est négatif parce que les personnes que j'ai vu une autre personne cet après-midi. Mais elle est très occupée par ses petits-enfants, donc par sa famille, elle a un environnement familial. Tandis que moi, je me considère comme un enfant. Là. Ouais, c'est-à-dire que vous êtes sans famille aujourd'hui. Écoutez. Sans famille, voilà. C'est ce qu'il y a à dire. Comme le roman, sans famille. Sans famille. Écoutez, moi, je crois que le mieux, c'est quand même. Vous savez, c'est très clairement, personne ne va venir chez vous et sonner. Donc si vous ne bougez pas, si vous n'allez pas à l'extérieur, vous allez effectivement tomber dans l'isolement. Donc il faut absolument que vous sortiez de chez vous. Vous savez, j'ai amené mes collègues parisiens qui venaient ici passer 8 jours, hein, parce qu'à Bordeaux, il y a des choses à découvrir. Il y a des musées aquitaines, il y a la cité du vin, etc. Puis c'est une cité médiévale, donc je faisais un peu le guide. Là, je me suis occupé pour le mois d'août, je vais faire une cure thermale à Dax. J'ai un collègue qui va revenir, qui fait des études de psychologie à Nanterre.
Bah c'est très bien. Alors, je voulais vous dire que, par exemple, je reçois un autre SMS qui dit « Il y a des tas de choses à Bordeaux dans les maisons de quartier. Nous jouons au tarot et il nous manque un joueur. » Donc, vous voyez. Ah bah, si vous pouvez me mettre en contact, ça peut en arranger. Bah voilà. Moi, je ne sais pas. Parce que c'est signé Rennes. Je n'ai pas beaucoup d'affinités. J'ai l'impression qu'ils ont été un peu froids et un peu éloignés de... Ouais. Comment je viens des quartiers populaires du 19e arrondissement, ça. Bien sûr. Et puis, il y a aussi de la part de Loulou, un autre SMS qui dit « Avec le site OVS, par contre, on peut se faire des amis en jouant aux cartes et en faisant toute autre activité. Mais laissez tomber les sites mythiques parce que, vous allez perdre votre temps. Ça prend terriblement. Il faut aller directement. » Voilà. Je vais renouveler mon abonnement automatiquement. Bon, bah écoutez, faites annulez-moi ça, sortez dehors et voyez plutôt ce qui se passe à l'extérieur. Moi, j'aimerais aussi que vous dites que vous souffrez de troubles, vous avez pris du poids d'un seul coup. Oui, voilà, c'est ça, je vais me faire suivre. Et... J'aimerais bien que vous voyiez un médecin et qu'il fasse un petit bilan, hein, aussi. D'accord. J'étais un généraliste, j'étais aussi dans un cardiologue parce que j'ai des problèmes, j'ai de prendre pour la tachycardie, beaucoup de médicaments, c'est-à-dire qui sont obligatoires tous les jours. J'ai un Mécaldix et puis les Xarelto. On m'a dit que c'était à vie maintenant. On verra bien. Totalex aussi. Ouais. C'est vrai que là, j'essaie de rester positif quand même. Maman, c'est le soir qui est le plus difficile. Bien sûr. Mais le matin, je veux dire, le soir, ça peut s'organiser à condition qu'on sorte dès le matin. Oui, il ne faut pas rester sur place. Voilà. J'ai des activités. Je m'organise tous les jours. J'ai des sorties. Là, c'est aujourd'hui, j'étais sur la place à la mairie, là, à côté. Bon, j'ai une personne. J'ai discuté cet après-midi. C'est une ancienne institutrice. Oui. C'était très intéressant parce qu'elle a voyagé beaucoup. Bon, moi aussi, j'ai voyagé beaucoup. Et j'ai vu que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affinités, mais enfin, elle tient à garder sa vie comme ça, quoi. Ça voit de temps en temps. C'est pas. Bah, écoutez, c'est déjà en tout cas, ça veut dire que vous êtes capable de faire du lien. Vous avez des collègues qui se déplacent pour venir vous voir. Donc vous allez vous faire très vite des nouvelles connaissances à condition que vous fassiez le premier pas. Le club de cartes, je vous assure, c'est déjà le mieux parce qu'encore une fois, on a des partenaires. Quand on a des partenaires, après une partie, on prend un verre. Et puis ensuite, on se retrouve. Et puis ensuite, on s'invite les uns chez les autres. Donc moi, j'aimerais bien que vous commenciez par ça et aussi aller à la gym. D'accord. Voilà, parce que moi j'ai l'impression que je vais vivre de plus en plus isolé, puis après je vais me refermer sur moi-même. Mais bien sûr. Et puis du coup ça va vous rendre triste, du coup vous allez tomber dans une vraie déprime. Non, là il est encore temps de réagir parce que c'est les beaux jours. Je reçois un petit message. Et la piscine, Alain, il faut aussi y penser. J'y pense, mais j'ai pas eu le courage d'y aller encore. J'étais simplement à Cachon, là, dernièrement, puis aussi au lac de Robusson, je crois, c'est à côté de Carcassonne. Écoutez, vous avez la chance d'habiter une bien belle région, vraiment. Oui, c'est vrai qu'on a la chance. Donc, franchement, ne vous privez pas, d'accord ? C'est à Paris, parce qu'à Paris, j'étais plus stressé aussi. Oui, là, vous avez le temps, vous habitez une belle région. Je pense que d'ici quelques temps, votre énergie va vous revenir. Ça fait qu'un an que je suis ici, hein. Je parle non plus. Mais écoutez, c'est normal. Vous avez subi beaucoup de bouleversements. Divorce, arrêt de travail, déménager, tout seul. Hein. Je suis arrivé tout seul. Mais c'est énorme, c'est énorme. On serait effondré à moins. C'est normal que vous passiez par ce coup de mou. Là, oui, j'ai des coups de blouse maintenant. Ouais, c'est normal. Je sais plus où ce que je vais parce qu'avant j'étais très occupé, mais maintenant je commence à me poser la question. Est-ce que je vais tourner en rond ici? J'ai plus de projet pour le moment. J'essaie de faire quelque chose pour rester actif parce que le plus difficile, je crois, en province, c'est faire du lien social. Hein, j'ai l'impression. Non, c'est pas dur parce que vous en avez fait. Avant, vous avez. Vous voyez là, il y a des collègues, etc. Vous en avez fait. Moi, je pense que là, vous faites une petite déprime vraiment. C'est pour ça que j'aimerais bien que vous voyiez un médecin. Parce que. Je vais vous dire. Un spécialiste, non? Non, médecin généraliste, parce que je vais vous dire. Les divorces, les déménagements sont les causes. Sont les premières causes de déprime. Je me suis autodétruit parce qu'en fait, le divorce, c'était un divorce à l'amiable. Et je l'ai fait sur Internet. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est moi qui ai fait tous les dossiers parce que c'était des prix, des gens de toute concurrence.
Mais je veux dire, j'ai un peu donné là-dedans pas mal sur un an de procédure. Et donc, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de désaccord. On est parti. Moi, c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu un appartement. J'ai pas mal de choses, des choses matérielles. Mais enfin, c'est pas grave. Je me retrouve ma liberté. C'est pas grave. Le matériel, le côté matériel, c'est qu'un détail. Ouais. Écoutez, c'est une mauvaise passe, mais dont vous allez vous relever. Mais j'avais peut-être pensé aussi à travailler, faire auto-entrepreneur, m'occuper, mais enfin, je ne sais pas. Mais si je crois qu'en fait, peut-être que vous êtes trop jeune pour arrêter toute activité. C'est pour ça que moi, je serais assez pour un apprentissage, comme l'anglais, l'informatique ou autre chose. Je vais ouvrir ma société, parce qu'en fait, j'ai travaillé pour une société de voitures en location. Je vais transporter d'un point à un autre. Ouais. Je crois que je vais en faire ça parce que je suis auto-entrepreneur, quoi. Je suis déclaré auto-entrepreneur. Parce que comme moi j'aime bien l'activité, je me sens un peu diminué quand je travaille plus. Non. Oui, bien sûr. Je peux imaginer, vous vous sentez... Vous le vivez un peu comme une forme d'exclusion. Et ben oui, parce que vous savez, quand vous ne travaillez plus, vous avez la retraite, vous êtes un peu hors société. Hein. Vous n'êtes plus dans l'environnement immédiat. Hein. Je sens bien cette pression. Donc vous êtes un peu marginalisé par le fait que... Non, que vous vous sentez... Je suis un peu familial, mais je vais me sacrifier dans le travail. Non, vous vous sentez marginalisé, vous vous sentez exclu, mais ce n'est pas le cas. Vous faites toujours partie de cette société. Il y a plein d'associations partout pour vous le rappeler, justement. C'est pour ça que les gens se regroupent. Et maintenant, comme vous dites, rien ne vous empêche de poursuivre un autre type d'activité de façon plus cool. Prenez le temps d'y réfléchir parce qu'il n'y a pas d'urgence non plus, hein, pour pas se tromper. Oui. Et puis, parce que moi, je vais pas vous dire, mais enfin, les voisins ici dans cette résidence, j'essaie de dire bonjour, on ne répond pas. Moi, je fais pareil, je ne réponds plus. Je n'ai pas le moyen de mon voisinage. J'arrive pas à bon, écoutez, il vous parle pas, c'est pas grave. Vous vous ferez d'autres amis. Il faut passer à côté, il faut passer au-dessus, quoi. Ouais. Écoutez, Alain, moi, je reste très optimiste pour vous. Je pense que c'est juste une question de moment. Je pense que ça vous ferait du bien d'aller vous promener. Faites ce que je vous dis. Commencez par les associations. Regardez ce que la ville vous propose. Profitez de l'été. Ouais. Profitez de cet ami qui va venir. Et vous nous rappelez d'ici. Très vite pour nous dire que vous êtes beaucoup plus en forme, d'accord ? Alors, très, oui, bah, je vous remercie beaucoup. Je vais essayer. Au revoir. De... Au revoir, Alain. Merci Caroline. Au revoir. Caroline Veil sur Europe 1. 39-21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Claude Nougaro, il est 23h, vous écoutez Europe 1, le flash avec Laurence Gontier. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Une semaine après l'attentat de Nice, on apprend que l'acte a été mûri pendant plusieurs mois. Le procureur de Paris, François Molins, a fait état de clichés de foule pris par l'auteur du massacre lors des feux d'artifice des 14 juillet et 15 août 2015. Mohamed Laouesh Boulel bénéficiait par ailleurs de complicité et de soutien. Trois des cinq suspects qui ont été arrêtés sont soupçonnés d'avoir participé à la fourniture de l'arme qui a servi à tirer sur des policiers depuis son camion. Certains ont même été filmés à ses côtés par la vidéosurveillance les jours précédant la tuerie. Selon un tout dernier bilan, 15 victimes sont toujours entre la vie et la mort. Pour ce qui est de la polémique sur le dispositif de sécurité mis en place le soir du 14 juillet, Manuel Valls a fait part de son soutien total et absolu aux forces de l'ordre ainsi qu'à Bernard Cazeneuve qui, sous le feu des critiques, a ordonné une enquête administrative à l'IGPN, la police des polices, enquête dont les conclusions seront rendues la semaine prochaine. La France restera en état d'urgence les 6 prochains mois jusqu'à fin janvier. Sa prolongation a été validée cet après-midi par le Parlement. L'autopsie de l'homme de 24 ans, mort lors de son arrestation avant-hier à Beaumont-sur-Oise, écarte la thèse d'une bavure. Adama souffrait d'une infection très grave, selon le procureur de Pontoise. La mort du garçon a provoqué 2 nuits consécutives de troubles. 9 interpellations ont eu lieu la nuit dernière, notamment pour jet de cocktail Molotov sur les forces de l'ordre. François Hollande, compréhensif mais ferme, le président s'est dit d'accord pour laisser le temps à Theresa May de préparer la négociation de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, tout en réaffirmant que le plus tôt serait le mieux. Le chef de l'État s'est entretenu pendant 1 heure à l'Élysée avec la nouvelle première ministre britannique.
Fin de la convention républicaine de Cleveland ce soir. Donald Trump doit prononcer un discours très attendu pour tenter de prouver aux Américains qu'il est digne de la Maison Blanche. Le milliardaire qui est par ailleurs interpellé par la famille de Luciano Pavarotti. Celle-ci refuse que les airs du ténor soient repris par le candidat républicain lors de ses meetings. Les valeurs de fraternité et de solidarité qui étaient défendues par Pavarotti sont incompatibles avec la vision du monde de Donald Trump. La 18e étape du Tour de France, un contre-la-montre individuel dans les Alpes, il a été remporté par Chris Froome, le Britannique qui est maillot jaune, en est à sa 7e victoire sur la grande boucle. Le nombre de départements en alerte orange aux orages passe à 13 ce soir. L'Ardèche complète la liste qui comprenait déjà l'Allier, le Cantal, l'Aveyron, l'Aude ou encore les Hautes-Pyrénées. 23h passées de presque 3 minutes sur Europe 1. La Libre Antenne revient dans un instant avec Caroline Veil. Il est un peu plus de 23h et on va entamer notre deuxième heure de Libre Antenne. 3921, toujours notre numéro d'appel. Je suis à votre écoute, on continue de parler ensemble. Le principe de l'émission, vous le connaissez, c'est simple. Vous avez une idée, une question, une histoire, un souvenir à partager. Vous appelez, on bavarde, on cherche ensemble éventuellement un début de solution si c'est une difficulté, plus particulièrement, qui vous perturbe en ce moment. L'idée, c'est d'échanger, de partager ou pourquoi pas tout simplement de rompre un moment de solitude. Voilà, ne restez pas seul dans votre coin avec votre paquet. Nous sommes là, 3921, notre numéro d'appel, 739-21 aussi, en commençant par le mot nuit pour vos SMS. Et j'en reçois de nombreux, je vous en remercie. Et vos mails sur notre site europe1.fr. Pour dialoguer avec Caroline Veil, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 739-21. 65 centimes plus coût d'un SMS. Allô Marie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Marie. Je suis contente de vous entendre. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à mon appel. Oui. À ma demande. Voilà, donc j'ai souhaité passer à l'antenne pour essayer de comprendre certaines interrogations, je vais dire. Oui, lesquelles ? Écoutez, moi je rencontre certaines difficultés. Ça concerne un petit peu le lien familial. J'ai perdu ma mère il y a 3 ans et demi. Oui. Qui avait des gros problèmes de santé et qui se soignait très bien, qui avait beaucoup de volonté, qui est partie subitement. Bon, j'avais une relation très fusionnelle avec ma mère, ça a été un grand choc pour moi, mais bon, je pensais toujours qu'elle allait s'en remettre et inconsciemment, je dirais que je repoussais un petit peu l'échéance de son départ. Oui, bien voilà. Sûr. On n'est jamais préparé, quoi qu'on dise. On y pense quand on va à l'hôpital ou à la clinique, mais bon, on a toujours la foi en la médecine. Bah, je vais vous dire, la maladie, c'est toujours la vie. Oui, dans un certain sens. Mais oui. Alors. Mais bon. Alors depuis, il se trouve que bon, j'ai toujours mon père qui est âgé, qui a quelques soucis de santé, mais qui est très très lucide. Et j'ai un souci par rapport à mes nièces. J'ai des nièces, une qui a 27 ans et l'autre 23. Ça fait 6 mois à peu près, je ne vais pas les nommer, je dirais l'aînée et la plus jeune. J'ai plus de réponse à mes SMS, à mes messages. J'ai des nouvelles indirectement par mon père, mais
elles ne communiquent plus. On dirait qu'elles veulent rompre le lien. Pourquoi ? Point d'interrogation, je ne sais pas. Elles n'ont, vous leur avez posé la question ? Elles ne répondent pas. Elles ne répondent pas. J'ai laissé des messages, sans faire de remarques désobligeantes, mais en leur disant que se passe-t-il, je n'ai plus de nouvelles. Est-ce que vous avez une difficulté dans votre vie, dans votre travail ? Est-ce que tout va bien ? Si vous avez un problème, rappelez-moi, on peut en parler. Je n'ai jamais de réponse. Dites-moi, quelles étaient vos relations avant avec elle ? Ça se passait bien. C'est-à-dire ? Ben, quand j'allais à la montagne, parce que moi je ne suis pas sur le même département, je les voyais, je les invitais, ça se passait bien, on avait de bonnes relations, on communiquait, on s'appelait, je ne sais pas. Bon, il est vrai aussi qu'il y a quelques années, en 2007, si je ne me trompe pas, elles ont perdu leur maman. Oui. En l'espace de 6 mois. Tout allait bien, enfin tout allait bien, comme dans toutes les familles, hein. Il y a des hauts et des bas, mais enfin, ça se passait bien. En l'espace de 6 mois, leur maman est partie d'une maladie foudroyante, et là, ça a été le grand chaos pour tout le monde. Bien sûr, c'était votre sœur donc ? Non, ma belle-sœur. Votre belle-sœur. Mon frère était désemparé, il s'est retrouvé avec 3 enfants, ça a été et elle est partie dans des... quelque chose que je ne me suis jamais expliqué, dans des souffrances atroces. Oh là là. On ne guérit pas tout. Mais quand vous savez qu'une gamine qui avait 14 ans à l'époque, avec l'audace, elle a interpellé le spécialiste pour lui dire « Mais comment ça se fait que maman souffre, vous ne faites rien, qu'il va tourner le dos sans lui répondre ?» Moi, ça m'a glacé le sang quand on m'a dit ça. Je suis restée... je ne sais pas, il y a certaines questions, on n'a jamais de réponse, mais je pense que... Je ne sais pas. Bon, ça m'a interpellée. Ça a été un grand choc. De toute façon, ça a été un grand choc. Elles ont perdu leur maman. Bon, leur père a bien fait ce qu'il a pu. Mes parents ont beaucoup fait. Oui. On les a entourés. Financièrement, on a tous participé parce qu'ils n'avaient pas fini leurs études. On a tous aidé du mieux qu'on a pu. Oui. Et là, je suis en train de me dire que j'ai une très belle récompense. Mais attendez, si vous attendez une récompense, vous savez... Non, j'attends pas une récompense. J'ai rien à me reprocher. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai aidé, je les ai entourés, mais là, je comprends pas. Alors, d'un côté, je me dis, il y a quelque chose de positif dans leur travail. Je sais que on est contente d'elles. Ça se passe bien. Leur vie professionnelle, ça va bien. Donc, pour moi, c'est déjà un point positif qui est important. Elles sont... Mais après, je ne comprends pas pourquoi il y a cette rupture. Alors, Marie, quel était votre rôle affectif, je veux dire, en tant que tante, lorsqu'elles ont perdu leur maman ? Vous dites que vous avez été présente. Est-ce que vous pouvez me préciser de quelle manière ? C'est-à-dire, vous aviez des liens tendres avec elles ? Comment ça se passait ? Ah oui, quand leur maman est décédée, là, j'y suis allée. Bon, ça a été un grand choc. C'est vrai que la dernière était inconsolable. C'était quelque chose de terrible. Bon, je voulais essayer de les faire consulter quelqu'un, mais elles ne voulaient pas. Mais vous les preniez avec vous ? Vous les avez emmenées Je les ai prises, je les ai gardées chez mes parents, à la montagne. Oui, tous les jours, pendant toutes les vacances. Hein. Oui, et alors vos relations avec elles, à ce moment-là, elles étaient bonnes ? Est-ce qu'elles vous faisaient participer à leur vie ? Est-ce qu'elles vous confiaient leurs secrets ? Est-ce qu'elles se confiaient à vous ? Est-ce qu'elles parlaient ? Oui. De leurs souffrances, de leurs problèmes, de leurs petits copains, en fait, de leurs amis. Oui. Bon, d'accord. Et vous dites que depuis que votre maman est partie, d'un seul coup, il y a eu une rupture. Ça leur a fait un choc parce que ça leur rappelait. D'ailleurs, j'ai bien vu pour les obsèques de ma mère, ça leur a rappelé la mort. Mais voilà. Et là, j'ai même passé par rapport à mon père. Mon père me disait des fois, je comprends pas, elles vont pas au cimetière où leur maman est enterrée. Alors j'ai essayé d'expliquer à mon père qu'elles étaient tellement mal psychologiquement qu'elles ne pouvaient pas. Bon, il peut pas le comprendre. Je lui ai dit, écoute, tu comprends pas, c'est pas grave, c'est ça, laisse faire. Mais je leur ai dit, écoutez, vous pouvez pas rester dans une telle situation. Alors je leur avais suggéré éventuellement consulter un psychologue ou un psy. Quand je leur ai dit le mot psy, elles ont fait des bons. Oui. Bon, elles m'ont dit, oui, de toute façon, les psys rendent les gens fous, ils ne font rien. J'ai dit, un psy vous aidera à comprendre.
À comprendre quoi? Bah, vous aidera peut-être dans votre souffrance à mettre des mots sur des émotions, sur quelque chose. Je ne sais pas. D'accord. C'est-à-dire que, en fait, elles ont pensé que c'était juste qu'on allait voir un psy quand on était malade. Je crois qu'elles sont, toujours en deuil. Ça fait. Elles sont écorchées. Oui. Ah oui, mais elles sont d'une susceptibilité. Par exemple, je vais vous citer un exemple. La plus jeune, l'été dernier, j'étais chez mon père, et puis elle était avec un copain. Je sais pas, elle a dit quelque chose, et puis elle n'a pas parlé très fort, mon père n'a pas entendu. Alors je lui ai dit, ben, tu répètes parce que papy n'a pas entendu. Oui. Elle nous a piqué une colère, je lui ai parlé gentiment. Elle s'est levée, elle a claqué la porte, elle est partie, on l'a pas revue. Ouais, c'est-à-dire qu'elle elle surréagit. Ah oui, là, c'était disproportionné, son comportement était disproportionné par rapport à ce que je lui ai dit. Oui, non, bien sûr, non, mais elle a surréagi parce que très certainement, elles sont mal remises du départ de leur maman. Il y a eu la brutalité, vous dites, ça a été une maladie foudroyante, oui. Donc oui. Je pense que effectivement, du jour au lendemain, leur vie a basculé ça a dû être compliqué pour elles. Donc elles sont trois petites. Non, deux. Il y a un garçon aussi, mais j'étais moins proche de leur frère. J'étais moins proche et il avait 4 ans de plus. Il y en a une qui a 17 ans, la petite avait 14, et son frère aîné avait 21 ans. Et alors avec leur père, bon, ça s'est très mal passé aussi, parce que elles étaient pas bien, leur père était pas bien. Donc maintenant, par contre, avec leur père, les relations sont redevenues, on va dire, normales. D'accord. Mais alors, ça a été difficile. Ouais. Dites-moi, Marie, vous qui comprenez tout, j'ai l'impression que vous comprenez beaucoup de choses. Est-ce que vous ne pensez pas que vous voir leur rappelle, avec le décès de votre maman, leur rappelle le chagrin qu'elles-mêmes ont ressenti au départ de la leur? Alors, pour vous dire la vérité, parce que je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, pour moi, qui suis une adulte quand même, et beaucoup plus chez elle, qui suis leur tante, ça a été un choc terrible quand ma mère est décédée. Elle est décédée la nuit, subitement. On m'a réveillée dans mon sommeil, ça m'a... Écoutez, je sais pas, c'est 2 ou 3 jours, je ne peux plus bouger. Bien sûr. Je sais pas, ça m'a fait un choc. Bon. Après, j'ai réagi, bien sûr. Et c'est vrai, quand je les ai vues, j'ai vu qu'elles avaient une réaction... J'ai vu sur leur visage, elles n'ont pas besoin de me parler, hein, j'ai vu sur leur visage, de toute façon, en voyant le décès de ma mère, la situation, les événements, ben pour elles, c'était la mort de leur maman. Mais c'est exactement ça qui se passe. Ça, je l'ai vu, mais bon, je ne pouvais... J'ai fait celle qui n'avait pas vu. J'ai essayé d'aller vers elles, Mais bon, elles étaient... Pas agressive, mais... Non, mais si vous voulez, votre chagrin et l'état de choc dans lequel vous avez été les a renvoyés à ce qu'elles ont vécu, elles, quand elles ont perdu leur propre mère. Alors, je reçois beaucoup de SMS à votre attention, Marie. Mais moi, ça a été dur hein, pour moi. Bon, je voulais pas le laisser montrer. J'étais vraiment très mal. Bon, après, ça m'est passé. Mais bien sûr. Un de ses parents, c'est toujours ses parents. Mais comme vous avez raison. Quel que soit l'âge. Ouais, comme vous avez raison. Alors, je reçois des SMS. Le premier pose une question de la part de Doudou. Est-ce que vous en avez parlé avec votre frère? Alors, mon frère, je le vois. Alors, mon frère, c'est pareil. Depuis qu'il a perdu, avant, quand il était avec son épouse et ses enfants, on avait plus de contact. Depuis qu'il a perdu son épouse, il était très proche de mes parents. Il s'est détaché de mes parents et détaché de sa famille. Il s'est créé de nouveaux amis. Il avait retrouvé d'ailleurs une amie. Il n'a pas refait sa vie. Il avait retrouvé une compagne. Au début, les enfants étaient très en colère. Et puis, cette personne, qui était charmante d'ailleurs, a pris la petite par les bons sentiments et elle lui a expliqué. Elle lui a dit, il faut que tu saches une chose. Je ne suis que la compagne de ton papa. En aucun cas, je ne vais me substituer à ta maman. Il est hors de question. Mais il faut que tu saches que si tu as besoin de moi, je suis là pour toi. Bon, c'était très bien dit. C'était très bien dit. Et à partir de là, pardon, de fil en aiguille, je ne sais pas comment de toute façon c'est une femme très intelligente, de fil en aiguille, tout s'est bien passé. Bon, bah, vous voyez, donc ce qui veut bien dire qu'avec le temps, et vous l'avez bien compris, les choses s'atténuent. Je reçois des SMS et qui vont un peu tous dans le même sens, je vous les donne. Hein. Oui. Un d'abord de la part de René, qui leur dit, vous leur rappelez
leur douleur. Vous avez été là quand leur maman est morte. C'est pour ça que cet éloignement se fait. Ça n'a rien à voir avec vous, avec la personne que vous êtes, avec ce que vous avez pu faire. Elles ne vous en veulent pas. Elles sont simplement très frappées encore. Et puis un autre de la part de Fleur qui dit « La mort de votre maman les ramène à la perte de leur propre maman. Elles vont revenir vers vous, mais là, elles ne sont pas capables de rentrer en contact. Laissez-leur du temps. » Et c'est aussi ce que je pense, Marie, et que j'essaye de vous dire, c'est que ce n'est pas vous qui êtes en cause. C'est le chagrin. C'est le chagrin. Oui, mais justement, moi, ce que je pense, parce que ce que je voudrais, c'est, je voudrais pas, c'est qu'elles se, comment dire, elles, par contre, dans leur travail, ça se passe bien, elles ont des amis, des copains, des copines. Ce que je voudrais pas, c'est qu'elles se, elles se renferment. Elles sont pas renfermées. Elles sont pas renfermées. Elles coupent le lien complètement, parce que ça, c'est très mauvais. Une fois que le lien est coupé, après. Marie, c'est peut-être le chagrin que vous avez ressenti. Vous êtes, même si vous avez refait surface, malgré tout, ce que vous avez vécu, vous, les renvoie à ce qu'elles ont vécu, elles. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pour l'instant, peut-être qu'elles appréhendent de vous voir. Il faut donner un peu de temps. Peut-être que ça vaudrait la peine que vous alliez vous jusqu'à elles et que vous les invitiez à prendre glace, gâteau. Mais c'est ce que je fais pendant les vacances. Je les appelle, je les invite, Mais au début, elles ne faisaient pas comme ça. Maintenant, alors, est-ce qu'on pourrait pas imaginer, par exemple, que vous appeliez votre frère et que votre frère organise un goûter chez lui ou un repas de famille, voilà, et où vous puissiez parler de tout et de rien légèrement. Oui. Voilà, parce que ça serait une solution, vous voyez. De pas les inviter à la maison de mes parents. Non, de pas les inviter dans la maison de vos parents, justement. Que vous alliez chez votre frère et chez sa compagne, qui a l'air tout à fait intelligente et charmante. Voilà. Je pense, à mon avis. Voilà. C'est ça. Vous assurez de leur concours, vous leur dites que, ça vous fait de la peine de plus voir vos nièces, etc. Que vous avez bien compris que c'était le fait d'avoir perdu votre maman, possiblement les avait un temps éloignées de vous, elles veulent pas être confrontées à votre chagrin, elles veulent pas être confrontées à cette idée de mort. Vous voyez ce que je veux dire à nouveau. Mais si vous les voyez en dehors de la maison de vos parents, c'est-à-dire chez leur père, avec cette femme qui est bien, et que vous parlez autour de gâteaux, vous pouvez avoir pour elles des petites attentions, vous savez bien comment leur faire plaisir, j'imagine. Vous parlez légèrement de tout, de rien, de leur travail, de leurs copains, leur flirt, pas leur flirt. Vous voyez ce que je veux dire? De façon à ce qu'elles vous sentent comme vous étiez avant. D'accord. Avant le départ de votre maman. Je crois que ça serait peut-être une bonne solution. Et puis, c'est vrai que maman ne se remplace pas, mais quand leur maman était partie, déjà avant, ils étaient très proches de mes parents, et quand leur maman a été partie, c'est vrai que mes parents les ont attirés de plus en plus. Bon, la dernière était encore au collège. Ma mère s'en occupait beaucoup. Mon père aussi, ils allaient la chercher, la ramener. Après, elle a passé son permis. Mon père allait la conduire, la chercher. Ils s'en sont beaucoup, beaucoup occupés. Mais elles étaient certainement très attachées. Mais pour l'instant, c'est trop douloureux pour elles. Elles ont perdu leur maman jeune. Ça a été un choc terrible. Et je pense que le départ de votre mère ça à réactivé, vous... Ça réactive. Elle s'éloigne de là. Elles essayent comme elles... Bon, maladroitement, bien sûr, parce qu'elle pourrait envoyer un petit mot. Mais c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à leur façon, c'est une façon de s'éloigner de la mort, du deuil. De fuir la réalité, en fait. Du chagrin. Non, elles essayent de fuir le chagrin. Vous, je verrai bien parce que je vais les revoir suivant leur comportement, je veux dire leur attitude vis-à-vis de moi. Parce que des fois, quand elles ont des petits bobos, je leur disais, il faut vous soigner, il ne faut pas traîner, il ne faut pas... Vous savez, les jeunes sont insouciants à cet âge-là. Et moi, j'aurais souhaité qu'elles consultent un psychologue, une psychologue. Lâchez ça. Plus tard, peut-être. Pour l'instant, elles veulent pas en entendre parler. Et d'après ce que je comprends, elles vont bien. Elles vont bien parce qu'elles travaillent, parce qu'elles ont des amis, parce que elles ont une vie. Donc elles vont bien. Oui. Bon, alors elles ont beaucoup d'amis, ça veut dire qu'elles vont bien. Elles sont capables de faire du lien. Et alors si vous permettez, je vais ajouter quelque chose. La dernière, qui a été dans une école de coiffure, une école d'esthétique, au début elle avait un petit peu travaillé, et puis après elle a changé complètement de voie pour la bonne raison qu'elle était dans une petite ville de province.
Et n'ayant plus sa mère, mais elle a toujours son père, sa sœur aînée, qui a 4 ans de plus qu'elle, c'est son soutien. Elle n'a jamais voulu se séparer de sa sœur, donc elle n'a pas pu aller dans une grande ville pour trouver un travail en tant que coiffeuse esthéticienne. C'est tout à son honneur. Et je lui ai posé la question. Elle travaille dans un établissement où on soigne la sclérose en plaques. Oui. Alors un jour, parce qu'elle me disait, tu sais, c'est pénible. J'ai dit, oui, je comprends. Un jour, elle m'a dit, j'en suis restée, elle me dit, tu sais, les personnes où je travaille sont des gens qui souffrent. Je lui dis, oui, je comprends. Tous les gens qui sont malades souffrent, quelle que soit l'origine de la souffrance, qu'elle soit physique ou morale. Elle me dit, tu sais pas ce que c'est de voir des gens en fauteuil roulant. Oui. Et elle m'a dit, le pire, c'est qu'il y a une dame qui est médecin. Donc elle sait. Oui, elle m'a dit, elle sait. Et elle m'a dit, tu sais, moi, ce que je fais, de toute façon, quand j'ai ma pause, je ne peux pas supporter de voir cette dame souffrir. C'est trop violent. Je vais la chercher avec son fauteuil, puis je la mène dans le jardin. Bien sûr, elle essaye de faire comme elle peut. Elle est courageuse, cette petite. Elle essaye aussi de donner un sens à sa vie. Elle est très volontaire. Bravo. Et elle me dit, tu sais, ce qu'il faut faire dans la vie, elle me dit, quand les gens souffrent, il faut les aider. Parce que ce sera chacun notre tour de souffrir, elle me dit. Elle a ô combien raison. Écoutez, visiblement, vos nièces sont de bonnes petites. Je pense que ce n'est pas vous qui êtes en cause. Je reçois d'ailleurs un SMS de la part de Marie qui dit surtout ne culpabilisez pas, vous n'y êtes pour rien. Écrivez-leur peut-être une petite lettre. Mais bon, moi je crois que le mieux c'est quand même un contact, si vous voulez, de visu. Pendant les vacances, je vais y aller, je vais essayer de voir un petit peu comment je peux m'y prendre. Avec votre frère, chez votre frère, oui, pas oui, chez oui. vous. Pas dans D'accord. la maison de vos parents. Surtout D'accord. pas là. Et puis, un autre SMS aussi de la part de Romain qui dit « Il arrive que l'entourage, après un décès, développe des relations morbides. Donc, on fuit. » Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est ce oui. que j'essaye de vous expliquer. Je comprends très bien, mais déjà qu'on est très peu dans notre famille, malheureusement. Mais que j'imagine bien. Je me dis, il faut resserrer les liens. Parce que sinon, ça va être vraiment la solitude la plus totale. Je sais, Marie, mais on ne peut pas forcer les gens. Chacun a son temps. Ah non. Chacun a son temps. Laissons le temps au temps. Voilà. Mais si vous y allez déjà et que vous parlez légèrement, c'est important que ce soit... Ah mais bien sûr, je ne vais pas, oui. Voilà. Vous ne parlez pas de ce qui s'est passé, vous parlez là, tout de suite, de ce qui se passe actuellement, de leur vie, des gens que vous avez croisés sur la route, de ce que vous faites. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais rien qui ramène au décès ou... Voilà. Qu'elle vous voit en forme. L'idée, c'est qu'elle vous voit en forme. D'accord. Très bien. Mais écoutez, je vais essayer de suivre vos conseils, Caroline. On va faire ça. Je vous remercie beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie de votre confiance. Vous êtes toujours précieuse. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Marianne Peretta. Caroline Veil sur Europe 1. Et on va continuer avec Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Caroline, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. En aparté, je voulais dire que j'avais été sensible au témoignage que j'ai entendu. D'une part, parce que moi aussi j'ai une relation très fusionnelle avec ma mère, qui, mon Dieu, est encore toujours vivante, mais qui a des problèmes de santé. Et d'autre part, le témoignage de la personne qui souffrait de solitude. Oui. J'ai souffert de solitude pendant des années, des années, des années. Combien de temps ? Ouf. Je les compte même plus parce que bon, c'est vrai que j'ai connu quelqu'un, mais que j'ai eu une séparation ça fait maintenant une dizaine d'années. Et je dirais pendant 7 ans au moins, je n'ai connu personne, si ce n'est des relations, mais très éphémères. Jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un que je croyais, enfin, je pensais que ça allait être l'amour, la personne de ma vie. Enfin, je l'espère toujours, même si malheureusement on est à une période. De doute, dans le sens où on est au bord de la rupture. Tout à l'heure, justement, j'ai pris votre émission en cours. Vous étiez avec une personne qui parlait d'ondes positives et d'ondes négatives. Oui. Et tout de suite, le sujet m'a interpellé, parce que c'est justement ce que me reproche mon ami actuellement.
Elle considère que je suis quelqu'un de négatif, je pense pas, que j'ai des ondes qui justement amènent, vous voyez, quelque chose de négatif, de pas jovial, etc. Bon, après, c'est vrai que je suis pas forcément toujours jovial, mais si vous voulez, c'est un des points, un des nœuds de notre problème concernant notre relation de couple actuellement. Sachant que bon, je suis pas forcément exemple de tout reproche, mais je fais beaucoup d'efforts. Qu'est-ce que vous faites comme tort? Oui, non. Qu'est-ce que vous dites que voilà, c'est quoi vos petits défauts? Bah, mes petits défauts, c'est que je suis quelqu'un, je pense, de très gentil, mais que je suis un petit peu impulsif. Donc, mes paroles dépassent parfois mes pensées. Voyez-vous. Donc, j'ai pu avoir quelques termes assez maladroits, je reconnais. Hein, des petits noms d'oiseaux, vous voulez dire? Quelques petits noms d'oiseaux, par exemple. Et puis, bon, une autre fois aussi, là, c'est un malheureux jeu de mots, parce que c'est vrai que j'aime bien l'humour. Sauf que, si vous voulez, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a quand même un autre point important dans notre relation de couple, c'est que mon ami a donc une fille avec un problème physique, donc elle est légèrement trisomique, qui ne souhaitait plus aller à l'école, et donc elle pensant que de toute façon il n'y a pas d'activité forcément obligatoire, elle me disait reste à la maison, va pas travailler. Donc bon, j'en ai plaisanté, sauf qu'à un moment voilà, j'ai dit écoute, non, ça risque de faire un cassos de plus à la maison. Alors, évidemment, mon ami l'a pris directement parce qu'elle s'occupe de sa fille. Mais j'ai dit non, pas du tout. C'était un malheureux concours de jeux de mots. C'est des fois l'humour, faut faire attention, quoi. Et depuis, c'est vrai que c'est, si vous voulez, une des choses qu'elle me reproche. Et le problème, c'est que en fait, moi, je peux très vite pardonner. Et elle est très rancunière. Et par rapport à ça, elle me dit oui, je suis négatif. Tu me dévalorises. Bon, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut dévaloriser. Je reconnais. Mais après, je suis pourtant quelqu'un de confiant. Elle a des petits problèmes de santé, je suis toujours là. Mais c'est jamais assez bien, c'est jamais assez trop haut. C'est voilà. Donc, j'en viens à me demander si je suis pas quelqu'un de négatif, effectivement, parce que on se dit, il faut se débarrasser des personnes négatives. Enfin, c'est ce qu'elle me dit. Donc, considérant que je suis quelqu'un qui n'apporte pas quelque chose de positif, quoi. Alors, bon, est-ce que vous diriez que vous vous réveillez le matin du pied gauche? Parfois. Parfois. Bon, après, c'est vrai que, si vous voulez, ça crée un climat de tension. Et évidemment, le soir, quand je rentre du boulot, après une journée fatiguée, on a envie forcément des fois de se détendre. Et puis, pourquoi pas parler du boulot? Mais non, parce que je vais donner une image un peu négative. Donc, c'est vrai que on tourne en rond, quoi. Donc, vous ne pouvez pas parler de votre travail? Non, parce qu'elle considère que le travail, les problèmes, c'est le travail, quoi. Donc, je pense que dans un couple, normalement, quand on a des petits problèmes de boulot, c'est normal d'en parler. Je peux vous demander ce que vous faites? Je suis dans les finances. Bon, ouais. C'est pas très rigolo, la fiscalité, donc bon. Non, mais bon. Mais bon, ça n'empêche pas que les relations du travail sont les mêmes, je pense, à l'usine ou dans un bureau, à savoir que il y a des difficultés tant au niveau de des relations etc. Et puis du travail mais c'est quelque chose que éventuellement qui n'est pas suffisamment grave pour l'aborder à la maison. On considère que il y a des choses plus graves. Par exemple, elle a un petit problème de santé, c'est plus grave. Bon, à force d'en parler tous les jours, c'est vrai que bon, après se demander si c'est vrai que c'est pas non plus totalement une personne qui pense avant tout à elle, quoi. Mais à force de dire que je suis quelqu'un de négatif, j'en viens à me demander si effectivement est-ce que je suis pas quelqu'un de négatif. Je pense pas, mais vous avez des doutes? C'est-à-dire qu'à force de l'entendre toutes les semaines, au bout d'un moment, oui. Vous pouvez me décrire le matin, le petit déjeuner, comment ça se passe? Alors le petit déjeuner le matin, comment ça se passe? Parfois il y a discussion et parfois il n'y a pas discussion parce que mon ami n'a pas forcément envie de parler. D'accord. Voilà. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire vous vous levez, vous prenez votre douche, vous prenez votre petit déjeuner avant votre douche, elle le prend avec vous, elle le prend au lit. Enfin je sais pas moi, comment ça se passe? Non, on prend notre déjeuner ensemble. Elle se lève de bonne heure, même avant moi, même si elle va pas travailler parce que c'est une habitude. Donc on se retrouve au moment de déjeuner et éventuellement on parle, mais il y a des matins où elle me dit j'ai pas envie de parler, donc faut pas parler, quoi. D'accord. Ouais.
Parce que la journée commence le matin au petit déjeuner. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Vous, vous parlez le matin? Ouais, je suis plus enclin, je pense, même si des fois j'ai pas envie, mais je suis plus enclin à faire des efforts, même si des fois on n'a pas forcément toujours envie, quoi. Mais elle, à partir du moment où elle a pas envie, elle le fait pas. Donc, je considère, moi, que je fais plus d'efforts, mais encore, c'est un terme qu'il ne faut pas employer, parce que dans une relation de couple, il faut pas dire on fait des efforts. Si, je pense que quand même, on fait quand même des efforts, quoi. Il faut bien concéder une relation de couple, c'est pas toujours évident. Alors, il y a une grosse différence aussi entre nous. Alors, c'est paradoxal dans le sens où elle a vécu en couple longtemps, et alors que moi, non. Et pour autant, j'ai l'impression que c'est moi qui fais plus d'efforts que elle. Et pourtant, elle est habituée à avoir vécu en couple pendant des années, alors que moi, c'est pas le cas, bizarrement. Ouais. Je vais vous dire, je crois que votre compagne, elle a une fille qui a un handicap et que quand on connaît ce genre de problème, c'est un problème qui est là, permanent, auquel on ne peut pas échapper. Non. Et c'est quand même un grand malheur. Voilà. Oui. Donc, oui. Il faut tenir compte. Je crois que c'est aussi la clé de ces humeurs qui peuvent changer. Oui. Elle a l'impression qu'il n'y a pas d'issue et c'est vrai que c'est compliqué. Oui. Et c'est ce qui vaut peut-être ce traitement qu'elle vous réserve un peu désagréable. Alors, il faut bien comprendre aussi, c'est ce sentiment de sans issue, vous voyez, qui fait que elle voit le monde en négatif et par projection, elle vous attribue à vous un côté négatif. Voilà, j'ai l'impression, effectivement, oui. Alors que je fais en sorte d'être positif, d'intéresser sa fille à différentes choses qu'elle ne prend pas forcément le temps de faire en plus. Donc, Ouais, mais elle est dans un moment, enfin bon, si vous voulez, c'est pas qu'elle est dans un moment, c'est que depuis la naissance, elle vit ça parce que c'est un drame. Donc elle vit ce drame, elle aime sa fille, c'est de toutes ses forces. Beaucoup de ses efforts lui sont consacrés. En même temps, elle sait qu'il n'y a pas de guérison possible. Non. Il y a peut-être une adaptation possible, mais il n'y a pas de guérison possible. Non, donc c'est une voie sans issue. Donc je vais vous dire, ça peut rendre pessimiste. Et ça fait que, parce que c'est toujours d'une injustice terrible. Bien sûr. Évidemment, ça tombe sur un enfant. Voilà, on se remet pas. Remet pas de ça. On fait avec, mais on ne se remet pas. Donc, bien sûr, elle trouve que vous êtes négatif, mais je pense que c'est aussi par projection. Alors, je suis sûre qu'elle voit les efforts que vous faites, mais quelquefois, on manque de force. Oui, peut-être. Et peut-être, elle veut pas dire non plus que. Ou reconnaître que je fais des efforts. Peut-être aussi. Mais... Vous lui dites des mots d'amour? Ben, je lui en dis, mais elle m'en dit très très peu. Donc même au début de notre relation, je pense que c'est quelqu'un qui en plus n'est pas très expressive ne serait-ce que de la tendresse, au niveau des mots d'amour, quoi, comme vous dites. Comment vous êtes rencontrés? Comment nous nous sommes rencontrés? Nous nous sommes rencontrés sur un site de rencontre. D'accord. Voilà. Bon, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, très vite le contact est passé. C'est vrai que c'était une femme séduisante, intelligente. Et je lui ai plu aussi. Donc, ma foi, j'ai l'impression d'être sur un petit nuage. Après, même si elle m'a dit qu'elle avait une fille trisomique, pour moi, c'était pas non plus un obstacle majeur. Donc, ce qui a changé, c'est véritablement, en fait, lorsqu'on s'est mis en couple il y a un an, l'été dernier. Et là, les choses ont commencé un peu à se dégrader. Concours de circonstances aussi, peut-être. Sa fille n'a plus voulu aller à l'école, donc... C'est ce que vous disiez. Elle n'a plus voulu aller à l'école. Mais néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas un centre qui pourrait, pendant la journée, l'accueillir? Voilà, c'est ce qu'elle recherche, justement. Parce qu'elle reste toute la journée à la maison. Donc forcément, comme vous dites, c'est pas bien pour elle, c'est pas bien pour sa mère. Et donc... Il y a un manque d'activité, un manque manque relationnel, forcément, avec d'autres personnes, aussi bien pour l'une que pour l'autre, quoi. En tout cas, moi, je trouve que vous êtes généreux, Olivier. Oui. Vous êtes généreux parce que vous avez pris le tout avec, j'ai envie de dire, bonne humeur.
Ouais. Voilà. Et ça, ce serait bien aussi qu'elle le reconnaisse, parce que c'est pas évident quand on n'est pas soi-même le père de cet enfant. Non. Quel âge a-t-elle ? 20 ans. Ouais, c'est pas si facile. Non. Donc, c'est bien. C'est bien ce que vous avez fait. Vous êtes un type bien. Voilà. Ben, je pense, mais malheureusement, vous voyez, là, j'en viens à tellement douter. Mais ce que vous dites est vrai. J'ai l'impression qu'elle projette, en fait, la négativité sur moi, alors même que je ne suis pas négatif, au risque de me demander si c'est pas elle qui est négative. C'est ce que je lui ai dit. Elle m'a dit non. Non, mais elle n'est pas négative, mais si vous voulez, elle se sent quand même sur une voie sans issue. Ouais. Alors, c'est compliqué. C'est dommage que vos relations se dégradent parce que c'était bien parti et que je suis sûre qu'elle est, elle est certainement très sensible à l'homme que vous êtes. Ça fait combien de temps que vous êtes rencontrés ? Ça fait 2 ans et demi. Et vous étiez bien ? Ben, oui, c'est vrai, on était bien, même si on a un caractère fort l'un et l'autre. Mais c'est vrai que ça se passait bien, c'était même presque passionnel au départ, quoi. Est-ce que c'était mieux quand vous n'habitiez pas ensemble ? Ah, ben évidemment, c'était différent. C'était différent. Alors bon, comme je vous disais, moi, c'est vrai que pendant des années, j'étais seul. Donc, la vie de couple, je dois dire que je ne me souvenais même plus ce que c'était. Donc, c'est vrai que ça a été un effort pour moi. C'est vrai que ce n'était pas évident. J'ai cru moi-même. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser aux personnes là, qui souffrent de la solitude. Au départ, ce n'est pas évident. On se dit, ben, finalement, est-ce que j'ai bien fait de... Ben non, je n'ai pas regretté. Mais c'est vrai que c'est un changement total de comportement au niveau de la vie. On fait plus ce qu'on voulait faire. Enfin, c'est trop facile, quoi. Mais elle, en même temps, elle avait une vie de couple. Donc, forcément, elle voyait les choses différentes. Mais pour autant, moi, j'ai fait des efforts. Donc, je ne pense pas que c'était de nature à dégrader notre relation, même si au départ, c'est vrai, il a fallu m'adapter et faire des efforts parce que, bah, évidemment, les choses de la vie sont différentes, quoi. Bon, elle travaille, vous dites ? Non, elle ne travaille pas, justement, actuellement. Elle s'occupe de sa fille. Voilà, c'est ça. Donc, elle n'a pas de regard sur l'extérieur ? Non, elle n'a pas de regard. Et ce qui m'énerve, évidemment, c'est que la plupart du temps, quand j'arrive le soir, que je débauche, elle est derrière son micro. Donc, son micro, c'est-à-dire derrière les réseaux sociaux, Facebook et tout ça. Et ça m'irrite parce que forcément, pour moi, c'est totalement secondaire. Et c'est peut-être aussi une manière, effectivement, de changer d'univers. Mais ça veut dire aussi qu'elle ne se plaît pas forcément dans cette vie-là, quoi. Donc... Mais bon, pour moi, Facebook et tout ça, ces réseaux sociaux, je veux dire, c'est ses limites, quoi. Oui, mais il faut bien qu'elle ait un appel d'air de l'extérieur. Il faut bien. Ouais. Et si elle ne sort pas pour s'occuper de sa fille, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça constitue aussi une façon de rester en lien avec les autres. Une forme d'échappatoire, oui, c'est vrai. Voilà, il faut aussi considérer ça. C'est vrai. Là-dessus, moi, j'ai eu du mal à le considérer. Ça m'énervait. C'est vrai que, comme vous dites, il faut quand même. La prouver, parce que c'est vrai que c'est un des seuls moyens pour effectivement avoir... Et puis elle recherche peut-être aussi des aides, il y a des forums, d'associations, ouais, quand on a aussi, des... Voilà, aussi, elle trouve un soutien, vous voyez ce que je veux dire, vous n'êtes pas là pendant la journée, donc elle a besoin de ce soutien-là. Non, mais en même temps, ça me crée des doutes, vous voyez, j'en viens à être presque jaloux, je me dis peut-être qu'elle échange avec d'autres personnes, bon c'est idiot, hein, mais sans doute... Non, mais c'est normal que ça vous traverse l'esprit. Voilà. Ouais. Je crois que ce qui serait bien, c'est que la petite soit placée dans un foyer. Ouais. Je reçois des SMS dans ce sens, dans un foyer occupationnel, elle aura des activités, elle verra des gens, et du coup, je crois que ça soulagerait la maman. Oui, tout à fait. Oui. Je crois que c'est très lié à cette situation familiale particulière. Je pense, oui. Je pense que vous devriez peut-être en parler, mais gentiment. Avec elle. Mais je lui ai dit dernièrement, enfin je lui ai fait comprendre, je lui ai dit mais il faudrait qu'on se retrouve tous les deux de temps en temps, parce que c'est vrai que en permanence elle est dans la maison, ne serait-ce que lorsqu'on s'engueule entre guillemets, après elle me dit oui mais t'as fait ça devant Caroline, ça s'appelle Caroline, c'est pas bien, oui mais à ce moment-là je dis on peut pas discuter comme on veut, enfin bon il y a toujours forcément des limites, quoi, à notre relation de couple. Mais écoutez, comme vous dites,
J'ai voulu aussi. Donc je fais des efforts, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas récompensés, quoi. Oui, bien sûr. Alors je reçois un petit SMS qui dit « Compte tenu du handicap de sa fille qui doit terriblement la bouleverser, peut-être que la compagne d'Olivier n'a pas la force de se consacrer à une vie de couple aussi. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que ça serait important que cette jeune fille trouve un foyer. Enfin, trouve un foyer pour la journée, vous voyez. Ça laisserait une plage d'aération à la maman, parce que c'est lourd. C'est très lourd pour elle. Elle est en charge toute la journée. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis, je pense que ça lui ferait du bien aussi, peut-être, à mon amie, de travailler. Parce que, justement, avoir des relations, voilà. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Ouais. Mais enfin, je ne pense pas être quelqu'un de négatif. Non, vous n'êtes pas négatif. Moi, je vous trouve très positif. Ben oui. Je trouve que vous avez une voix avec de la jovialité. On sent cette générosité. En tout cas, bravo. Hein. C'est ce que dit Paul aussi, que vous êtes un homme formidable. Parce que c'est bien ce que vous avez ben fait. Oui. Mais c'est vrai que, comme je me répète, j'en viens à douter à force de me dire « t'es quelqu'un de négatif, t'es quelqu'un de gris, t'es... » Mais j'y vais, je pense pas quand même. Enfin bon, et puis après, évidemment... on a tous ses jours, vous l'avez dit vous-même. Quelquefois, on se relève du pied gauche, etc. Alors, qui prépare le petit déjeuner ? Moi, j'en reviens toujours à ça. Chacun se prépare son petit déjeuner, pour ainsi dire. Et si vous lui faisiez le sien ? Oui, c'est vrai, peut-être, oui. Avec une petite fleur ? Oui. Non ? De temps en temps ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Si, peut-être également, effectivement, faire des marques d'attachement, j'en bégaye. Mais si vous voulez, c'est le fait que j'en viens à être dur aussi avec moi-même et peut-être avec elle, dans le sens où je fais des efforts. Et vous avez l'impression qu'il n'y a pas de réciproque ? Il n'y a pas de réciproque, et puis je me dis à un moment, c'est pas bien ce que je vais dire, mais je suis parti toute la journée au boulot, je rentre pas le midi, je rentre le soir un peu harassé, forcément, j'attends un peu aussi que... De l'attention pour vous. Voilà, c'est ça. Alors peut-être que j'en demande un peu trop. Non, vous demandez ce qui est légitime. Ouais. Vous demandez ce qui est légitime. Et je vais vous dire, c'est ce qui l'amènerait aussi à avoir une vie qui la sorte. Elle a de l'âge... Enfin voilà, elle a cette chance de vous avoir à ses côtés. Donc c'est dommage de ne pas en profiter. Ouais. Et puis, écoutez... J'en reviens toujours à ce petit café du matin, une petite fleur de temps en temps, vous lui faites son café, ça a l'air de rien, mais ça fait plaisir. Ah oui. Et puis peut-être que le mieux, c'est, vous pouvez aussi lui proposer, si les choses ne s'arrangent pas, de faire en sorte que vous puissiez continuer votre relation, mais en ayant, en étant chacun chez soi. Oui. Peut-être que c'est plus facile. Peut-être. Forcément, c'est un bouleversement pour tout le monde de vivre sous le même toit. Mais bon, moi je le voyais comme ça, puis elle aussi d'ailleurs. En même temps, je pense qu'elle est contente aussi que des fois je sois là pour une partie du week-end pour garder sa fille et puis pour qu'elle puisse aussi un petit peu sortir, même si c'est pas beaucoup, quoi. Donc, Elle sort pas beaucoup, elle est très coupée. Donc Je pense pas que vous soyez négatif, Olivier. Je crois que votre amie, votre compagne, elle a peut-être aussi des moments où elle est harassée ou elle est abattue par la vie. Elle voit pas d'issue. Sa fille est là, elle veut plus aller à l'école, donc elle sort pas non plus. Vous voyez, c'est pas très gai tout ça. Non, c'est sûr, c'est pas gai. Mais c'est vrai que je fais des efforts, mais elle va se demander ce qu'il faut faire, quoi. Donc, aidez-la à trouver un centre. Aidez-la. Ouais. Aidez-la dans ses démarches. En disant que vous aussi, que vous êtes concerné par sa vie à elle, et que vous sentez bien que c'est important. Et pour la petite, qui aurait plus de joie aussi et de gaieté. Et pour elle. Ah oui, tout à fait. Après, c'est vrai que j'y en viens aussi à dire des fois mon avis, mais ça l'irrite encore plus. C'est vrai que ça en arrive à un point où parfois elle n'a même pas envie de me parler parce que je la sens énervée, quoi. Et puis moi, je pose des questions, des fois j'insiste un peu trop, donc il faudra... Écoutez, je comprends bien. Arrêtez de vous culpabiliser, vous n'avez pas non plus tous les torts. Non. Parce qu'elle vit est tellement dure qu'elle ne doit pas se rendre compte. Vous comprenez ? Sûrement, ouais. C'est tout. Mais essayez, et puis parlez-lui, mais montrez-lui que vous êtes concerné par son problème, qu'elle ne se sente pas seule avec son problème. Non, mais c'est ça, en fait, comme vous dites, elle a l'impression d'être seule, alors qu'elle n'est pas seule, justement, je suis là, je l'aide, mais
elle a toujours cette impression d'être seule. En fait, il y a quelque chose de complètement erroné dans son cerveau, quoi, je pense. Et ça va être compliqué à... Oui, mais si vous l'aidez, si vous lui montrez que vous êtes deux, et que vous avez saisi la dimension de ce qu'elle vit, je crois qu'elle peut se laisser aller. Mais pour l'instant, elle se sent seule pour porter ça, même si vous l'aidez comme vous pouvez. Ouais, ouais. Mais c'est ça, elle se sent seule, ouais. Et elle en vient à être très désagréable par rapport à moi, quoi. Ouais, parce qu'elle est, dans un... Elle doit se sentir en marge. Oui. En marge. Et évidemment, ça pâtit sur notre relation. Il n'y a presque plus de relation, quoi. Donc, voilà. Évidemment. Mais évidemment, ouais. Voilà. Et essayez de lui montrer à quel point vous êtes concerné par ce qu'elle vit. Voilà, et je pense que c'est ce qui vous rapprochera d'elle. C'est ce que j'essaie de faire, mais c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Je sais. Et puis, Olivier, à un moment donné, si vous n'y arrivez pas, pensez à vous. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, ouais. Oui, parce que ça dépeint aussi sur mon travail, évidemment. J'ai plus la niaque au boulot, quoi. Donc, des fois, je ressens parce que. Moi, j'ai besoin de me sentir bien dans ma vie privée pour me sentir bien au boulot et inversement, quoi. Donc, Ouais. Je comprends. C'est pour ça que ce serait bien aussi de penser à vous. Ouais. Olivier, merci en tout cas de ce témoignage qui est très bouleversant. Ouais, et j'espère vous retrouver bientôt. Merci. Au revoir. Ouais, moi aussi. Merci bien. Au revoir. Europe 1, Caroline Veil. Respirez. Détendez-vous. C'est l'été sur Europe 1. Glory Box de Portishead. Comment? Bonsoir Nadège. Oui, bonsoir Caroline. Très contente de pouvoir dialoguer avec vous. Moi aussi. Et je voulais réagir à l'intervention de Christelle en début. Oui, notre première auditrice. Voilà, que je salue, si elle est encore à l'antenne. Oh bah certainement, oui. Parce que, voilà, je n'ai pas pu intervenir durant son intervention. Et voilà, je voulais lui transmettre un de l'espoir, parce que moi j'ai moi-même mon fils qui a des tocs et qui a commencé à l'âge de 14 ans et qui s'en est sorti vers l'âge de 19 ans et qui à l'heure actuelle travaille à 28 ans, travaille, est très indépendant et vit une vie tout à fait normale. Ah bah c'est bien d'appeler, je vais vous dire, Nadège, parce que pour les auditeurs qui nous prendraient maintenant, si vous voulez bien, je replace un tout petit peu l'histoire. Christelle nous a appelé en début d'émission pour nous parler de son fils qui souffrait de troubles obsessionnels compulsifs depuis qu'il avait commencé de la musculation. Donc, il ne pensait... D'abord, il avait eu des tendinites et depuis, il ne pensait qu'à préserver ses poignets. Ce qui l'amenait à se livrer à toutes sortes de rituels et à vouloir préserver ses poignets à tout prix et donc à avoir une attitude irrationnelle. Donc, c'est bien que vous appeliez parce que vous dites que votre fils s'en est sorti. Voilà. Et justement, c'est un message d'espoir parce que quand j'étais dans le moment le plus creux de l'histoire, on a l'impression qu'on n'arrivera pas à s'en sortir et qu'il n'y a pas d'issue. Alors que oui. Comment ça a commencé pour votre fils ? Lui, c'était des problèmes de propreté et de risque de peur de la maladie. Ouais. Donc. Ça se traduisait comment ? Par un lavage des mains, des douches qui duraient une heure et un rituel, il commençait à un endroit, se laver les mains, il descendait dans un autre endroit, il remontait, c'était le même endroit. La douche, il fallait surtout pas lui dire, et ça je l'ai su parce qu'il a été suivi par un psychiatre comportementaliste. Oui. Et donc, un médecin très aidant qui recevait régulièrement la famille pour nous expliquer ce qu'il ne fallait surtout pas faire.
Oui. Pas faire par et exemple, ne pas faire. Par exemple. Parce que, par exemple, quand il avait, quand il faisait ses, comment dire, oh, je trouve plus mes mots, par exemple, pour se laver les mains, il ne fallait surtout pas l'arrêter, ou dans sa douche, il fallait surtout pas frapper à la porte en lui disant, maintenant ça suffit, c'est trop longtemps et tout, parce que sinon, il recommençait son, comment dire le mot, je ne sais pas. Il recommençait le rituel. Le rituel, exactement, voilà. Son rituel, il le recommençait. Donc il ne faut pas l'interrompre, il ne fallait pas l'interrompre pendant l'exercice de ce rituel. Exactement. Ouais. Et donc, et ce médecin... Alors justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi j'étais tellement perdue parce qu'il a été déscolarisé pendant 2 ans. Oui. Et donc, j'étais tellement perdue par tout cela que je me suis, j'ai cherché partout et je me suis mise dans l'association ASTOC. ASTOC. Oui, qui est une association nationale pour les troubles obsessionnels compulsifs. Oui, d'accord. Et cette association m'a beaucoup aidée. Vous y avez trouvé un soutien? Exactement, voilà. On vous a donné des conseils? Des conseils, le nom de médecin, qui, parce que à l'époque, quand il avait 14 ans, il n'y avait pratiquement pas de médecin qui était formé pour le comportementalisme. Oui, d'accord. Voilà. Tandis que maintenant, c'est plus ouvert. Ah oui, c'est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus répandu, en tout cas. Oh, voilà. Oui, voilà, c'est très admis. Enfin, ça a fait ses preuves. Voilà. Donc, mais à l'époque, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé un médecin qui s'occupait que d'adultes. Oui. Et puis, finalement, il m'a pris mon enfant en charge. D'accord. Voilà. Et donc, aujourd'hui, votre fils, vous dites, est toujours sous traitement, mais voilà. Il mène une vie normale. Normale. Bon. Ouais, tout à fait normale. Ouais. Bon, voilà. Bah, écoutez, Nadège, vraiment, je vous remercie 1000 fois de ce témoignage parce que j'imagine que Christelle vous entend, vous a entendu. Oui. En tout cas, éventuellement, on va vous transmettre vos coordonnées si vous le voulez bien, qu'elle puisse. Voilà. On ne sait jamais. Oui. Et puis, il y a d'autres personnes qui, comme ça, peut-être, ont besoin de ce témoignage. Voilà. Ouais, exactement. Merci 1000 fois à vous. Je vous remercie. Au revoir, Nadège. Merci. Bonne soirée. Toujours ensemble pour la Libre Antenne, 3921, notre numéro d'appel. Et oui, la nuit s'épaissit, si vous avez envie de parler, d'évoquer, de vous raconter. Nous sommes là, 3921, 739-21 en commençant par le mot « nuit » pour vos SMS. Vos mails sur notre site europe.fr. Et si vous deviez passer ce soir avec moi à l'antenne, c'est le moment où jamais... On peut débattre ensemble de tout ce qui vous arrive. Pour dialoguer avec Caroline Veil, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 739 21, 65 centimes plus coût d'un SMS. Magali, allô? Ah non. Ah non, excusez-moi, je me suis trompée de prénom. Pastol, c'est ça, je me trompe pas? Voilà. Comment allez-vous? Ça veut dire bergère en espagnol. Bergère? Ah! Oui, pastorère. C'est un joli nom. Voilà. Je vous appelle parce que je voulais vous raconter. Des fois, je suis en colère, j'écoute tout le temps, je suis une fan de vos émissions. Oui. De Sonia et Corentin. Je les aime, même si je ne les connais pas. Oui. Et je vous aime à vous et Sophie. Oh bah c'est sympa ça. Parce que je suis une fan, je m'endors pas. Je peux pas m'endormir si je vous écoute pas. Voilà, je vais vous raconter l'histoire.
ma grand-mère et mon grand-père. Ils se sont séparés. Alors, les trois fils aînés, quoi, il y avait mon oncle, mon autre oncle et mon père. Oui. Et ils l'ont élevé à mon père, quoi. Mais ils n'ont jamais été sinistre, leur grand-père, ni sa grand-mère. Et bon, jusqu'à mon père, il a eu 16 ans. Oui. Un jour, il y avait une fête, mon père a été, et il a vu ma mère. Oui. Et c'est vrai, c'était une belle femme. Elle était brune aux yeux bleus, mais alors, très belle femme. Oui. Et il est tombé, ça a été le coup de foudre. Carrément. Oui. Il lui a dit, cette femme, tu vois son frère, qu'elle est nous, je me l'emmène. Elle dit, t'es fou, tu vas nous faire avoir des histoires, ou pas d'histoires. Elle dit, cette femme, je me l'emmène. Je me l'emmène. Ah, aussitôt dit, aussitôt fait le soir, il se l'a emmené. Il se l'est emmené, dites-moi. Et puis, il travaille, mon père travaillait dans les fermes, vous savez. Et il s'occupait des vaches, de faire les vaches, il s'occupait de rentrer, de mettre des clôtures, il s'occupait toujours de ça. Il était ouvrier agricole, quoi. Il était ouvrier agricole, d'accord. Voilà. Et votre mère, elle l'aidait ? Ma maman, nous, on était des gitans. Ah ! Voilà. Alors, on avait, ils avaient donné la belle caravane avec toute de soie dedans pour mon père et ma mère. Oui. Alors, dans cette caravane, il y a eu ma sœur, mon frère qui sont nés, et mon autre frère et moi. Carrément, une grande famille, hein ? Ah oui. Et jamais mon père. Mais moi, j'étais petite, la dame elle me disait, va garder les moutons, tu viens avec moi garder les moutons. Il m'a emmené, je ne sais pas si c'était des moutons ou des vaches, je ne me rappelle pas. Mais il m'a emmené, et c'est pour ça que mon père, quand il arrivait, il disait, où allait ma petite bergère ? Ah. Et c'est pour ça que j'ai resté pastorica. Mais ma mère et mon père, je n'ai jamais vu une histoire aussi belle, aussi profonde. Un amour aussi profond qu'ils avaient tous les deux. C'est magnifique. Oh, je n'ai jamais vu. Mon père, bon, ma mère, quand il allait travailler, quand ils ont fait le contrat pour venir en France, ouais. Ah ben mon père, il dit, je vais le faire parce que avec ce qu'on paye là, j'ai pas assez pour passer mon permis, ni vous acheter une maison, il peut m'arriver quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Et quand il s'est marié, il avait 16 ans, regardez l'expérience qu'il avait. Il était en avance sur son temps. Ouais. Et il est venu sur contrat en France, à Neuville-de-Poitou. Et ils l'ont pris pour maçon. Et il travaillait jour et nuit. La nuit, il allait chez Abdebert pour tailler les billets polonais, faire le vin, mettre le vin en bouteille. Et le jour, il travaillait comme maçon. C'est un homme courageux. Et oui. Et il venait avec toute sa moustache gelée, alors... Laquelle des filles allait chauffer vite pour lui chauffer sa moustache, lui faisait plein de bisous sur sa moustache. L'autre lui chauffait, lui relevait les chaussettes. L'autre lui chauffait les chaussettes. On était... C'était tout autour de lui. Et il était toujours autour de nous. C'est pour ça que je ne comprends pas qu'ils disent que quand il manque le respect au père et à la mère, ça je ne le promets pas. Au bout de 2 ans, mon père, il a réussi à acheter une maison. Bravo. Et passer son permis. Bon. Et tous les Noëls, on avait notre cadeau. Notre cadeau. Et notre bisou, parce qu'il partait pas si... On l'appelait le français. Parce que eux, les Espagnols, ils font pas de bisous quand ils s'en vont à leurs enfants. Et bien lui, ah il bon? Nous embrassait à tous. Et puis ma mère le regardait et dit, oh, t'es toujours avec tes bisous, toi. Oh, t'es jalouse, ta basque. Hein. Mmh. Alors, parce qu'elle était basque. Elle l'a prenait comme ça, elle l'a serrée. Et puis nous, on rigolait parce que de les voir. Et ils se tenaient la main. Quand ils mangeaient, ils mettaient sa main sur elle. Il s'aimait. Et nous, on voyait tout ça. Et bien, au bout de 2 ans,
Mon père, il est mort en 61. En 60. Il était très jeune? Ouais. Et moi, j'avais 8 ans et demi, 9 ans, j'allais faire 9 ans. Et c'est moi, parce qu'ils nous ont, ils ont voulu nous prendre et nous mettre à la DAS. Alors, ils nous ont fait embarquer dans un fourgon. Et ma mère, elle a sorti avec mon petit frère qui avait... Mon père, il est mort le 16 janvier. Et mon petit frère, il faisait un an le 17 janvier. Mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ma mère, elle a pris un couteau. Elle a dit, si vous sortez pas, enfin, avec son accent espagnol, si vous sortez pas mon fils et mes enfants, je tue le petit et je me tue avec. Bah, c'était une femme de caractère. Oui, ah bah, c'était une basque. Hein. Et ils nous ont fait surtout sortir à tous. Mais on était surveillés nuit et jour par les assistants sociaux qui nous levaient les couvertures et les draps. Heureusement, ma mère, elle a été très, très forte pour ça. Formidable. Vous savez, on n'avait pas de salle de bain, mais elle nous mettait dans une bassine avec du crin, je ne sais pas de quoi, à nous frotter. On sortait rouge comme une crevisse, tellement qu'elle nous frottait. Eh bien, nous, on n'a jamais laissé on a gardé cette ambiance entre frères et sœurs. Mes 4 frères se sont mariés avec des Françaises. Oui. Et vous? Et moi, je suis mariée avec un Espagnol. Oui. Et une autre sœur avec un Espagnol. Et vous avez des enfants? Moi, j'ai 3 filles. Bravo. Et alors, est-ce que vous avez continué à avoir cette ambiance autour de vous? On a gardé toujours cette ambiance, malgré qu'il y a 3 frères qui sont partis et une sœur. Ah oui. Mais on se réunit toujours, les frères qui restent, et on fête Noël, le premier plan. On met un petit peu chacun. Chacun fait quelque chose. Et on l'amène tous dans une salle et on célébrait. Moi, j'ai gardé ma mère jusqu'à 87 ans. Bravo. Je l'ai lavée, je l'ai peignée. Jamais j'ai passé devant elle. Je faisais tout le détour pour ne pas passer devant ma mère. Et jamais manqué de respect. Jamais, jamais. Vous ne nous verrez jamais. Et ils nous traitaient de toutes sortes, de tous les noms. J'ai dit, mais mon grand-père, il était prisonnier en France par les Allemands. Il allait travailler dans les thermes. Qui c'est qui n'a pas été? Puis c'était un beau garçon. Hein. Il ressemblait à ma mère, il était châtain avec les yeux bleus. Mais qui c'est qui n'a pas été avec ta grand-mère? On était cousines. Hein. Écoutez, votre témoignage est formidable. C'est une très belle histoire de famille. D'abord, c'est une très belle histoire d'amour. C'est pour vous dire que des gitans. Nous, notre seule richesse, c'est nos enfants, notre famille, quoi. On fait pas de politique, on fait pas de rien. Notre seule richesse au monde, c'est nos enfants, notre famille, mes frères, mes sœurs. C'est ça qu'on a. Bravo. Bravo. C'est ça qu'on a. Et je ne permets pas quand ils disent qu'ils manquent de respect à son père, ou à sa mère, ou à ses frères. Nous, mon frère que j'ai élevé moi-même, élevé à 8 ans et demi, il a dormi jusqu'à 13 ans avec moi. J'étais mariée, il dormait avec moi. Ouais. Alors je reçois un petit message de la part de Fleur qui dit « Ça fait chaud au cœur d'entendre une si belle leçon de vie. On ferait bien de prendre exemple. Voilà. » Merci. Eh ben écoutez, merci en tout cas de ce beau témoignage parce que ça fait, comme dit Fleur, très chaud au cœur. Oh, et oui. Vous avez une voix joyeuse. J'ai 65 ans et je vis toujours avec cet amour de ma mère et ce bonheur de mon père qu'il aimait. Je vis avec ça. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Mais grâce à cette histoire, vous avez réussi aussi à faire la vôtre. Ben oui. Donc c'est bien. Voilà. Voilà. Je vous remercie en tout cas. C'est moi qui vous remercie de cette voilà, d'avoir partagé ça avec nous. Oui. À bientôt. Au revoir. Je voulais vous le dire. Parce qu'ils parlent des gitans, mais on n'est pas tous les mêmes. Hein. Non, en tout cas, vous. Non, pas nous. Ouais. Pas nous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
toutes vos confidences à Caroline Veil au 3921 3921 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bruxelles sur Europe 1. Caroline Veil sur Europe 1. Et nous allons tout de suite poursuivre avec Magali. Bonjour Magali. Oui, bonjour Madame Veil, vous m'entendez ? Mais oui, mais je ne suis pas Madame Veil, moi je suis Caroline. D'accord, oui, mais bon. Comment allez-vous ? Mais moi ça va très bien, et vous ? Bien, écoutez, je voulais me permettre de vous dire quelque chose avant, parce que je viens de m'en souvenir, c'est que lors de votre dernière intervention, donc lors de certaines vacances certainement, j'avais un peu lu le standard et je partais militer, je ne voulais pas vous avoir au téléphone. J'avais appelé le standard pour dire tout le bien que je pensais de vous. Oh bah c'est sympa ça, merci beaucoup. On vous l'avait transmis le message. Sûrement, en tout cas je vous remercie beaucoup, c'était adorable. Parlez-moi de vous surtout. Ouais. Mais écoutez, voilà, moi j'ai pensé, bon, j'écoute la Libre Antenne depuis quelques années maintenant, et moi je vous appelle les trois drôles de dames, hein, parce que vous êtes toutes les trois différentes et identiques et à la fois très souriantes et très marrantes, et à la fois ça fait du bien, voilà. Bon bah c'est sympa. Ah ouais, non mais c'est vrai. Merci de votre fidélité en tout cas. De votre singularité et à la fois on est ravis de vous retrouver toutes à chaque fois, donc voilà, ça c'est très sympa. Donc oui, alors je vous appelle parce que... Voilà, allez, je me suis dit, tu te jettes à l'eau, t'appelles. Bon, c'est une, on va dire une requête, une bouteille à la mer, et j'aime pas trop voilà, les demander. Mais je me suis dit, allez, on va voir, on va essayer, ce sera ta dernière solution peut-être. Donc voilà, je vous explique, j'ai 44 ans, oui. Et depuis un certain âge, depuis l'adolescence, je suis attirée par une langue, oui. Voilà, et qui s'appelle la langue des signes. Oui. Et ça a toujours été un projet, ça a toujours été mais un projet en tant que hobby, hein, découvrir cette langue, comme voilà, moi mon rêve était de parler cinq langues quand j'étais petite, et celle-ci en fait partie. Et bon voilà, alors après le travail, hein, les responsabilités, tout ce qui s'ensuit, ont fait que bon, j'ai pas pu le faire. Et là pour d'autres raisons, je ne peux pas le faire. Donc, je vous explique pourquoi, parce que dans ma famille, moi, je n'ai pas de personne concernée. Oui, bien sûr. Et donc, nous n'avons pas les mêmes tarifs, hein, ce qui est normal par rapport aux familles qui sont concernées. Mais en même temps, moi, je vais à tout prix apprendre cette langue. Alors, la dernière fois, j'ai eu Quentin, il m'a demandé pourquoi. Alors, vous, ça va vous rappeler peut-être quelque chose. Vous voyez Marc Jolivet en train de faire son spectacle. Et puis, un jour, moi, je regarde Marc Jolivet à l'époque où on passait ça sur France 2. Et il y avait une personne sur le coin qui était en train de traduire le spectacle. Tout à fait, oui. Vous en souvenez. Et d'ailleurs, c'était passé souvent parce que bon, tout le monde disait que c'était une belle initiative. Et moi, j'étais plus ou moins petite ou autre. J'ai vu ça et je me suis dit, non mais attends, mais c'est une évidence, quoi. Bien sûr. Et après, vous faites la liste de toutes les évidences. Vous vous dites, bah, c'est pareil, mais sauf que c'est pas concret, ça n'existe pas. Et moi, je trouve pas ça normal. Donc, moi, l'un de mes rêves, hein, entre autres, ce serait de parler la langue des signes, donc de signer, et puis d'en faire profiter des gens. Ben, c'est formidable. Je sais pas si c'est pas formidable. Moi ça me... Enfin, en plus, vous voyez, j'ai quelque chose à dire. J'ai appris, je ne suis pas allée voir la famille Bélier parce que ce phénomène de mode m'a un peu... Arrêtez. Je suis pas très jolie fille, un très joli film pourtant. Oui, mais vous savez ce que j'ai appris quand j'ai voulu attendre un peu et aller le voir. J'ai appris que finalement, il ne signait pas vraiment. Ah bon ? Ah oui, les personnes... Ça m'étonne. Et voilà, moi aussi. Et il y a des personnes qui ont dit que ce n'était pas... Ce n'était pas correct. Voilà, c'était plus ou moins, mais ce n'était pas correct. Et je me suis dit, non, ils ne sont pas donnés. Ça m'étonne, mais bon. Oui, bon, voilà. Bon, peu importe. Donc, voilà. Et puis, contre un troc, vous voyez, parce que, bon, malheureusement, je ne peux pas... Je suis en recherche d'emploi, donc, bon, voilà, ce n'est pas le moment. Vous êtes en recherche d'emploi ? Oui, mais bon, ça, c'est à part... Qu'est-ce que vous faisiez avant, Magali ? Je m'occupe... J'occupe de base de données pour des entreprises, tout ce qui est données techniques. J'ai les données techniques de... Et là, je ne suis plus à Paris. Enfin, moi, je suis toulousaine, je suis rentrée dans le papier économien. Et aujourd'hui, j'ai fait un entretien déployable. Parce que maintenant, on en est que... Mais bon, je ne voulais pas trop en parler, mais je tiens quand même à le dire aux personnes qui
peuvent écouter et qui ont cette fonction, surtout n'oubliez pas qu'il y a humain derrière. Surtout n'oubliez pas. Parce qu'on nous, on s'entend dire des choses qui ne sont pas possibles, quoi. C'est vrai ? Ça vous a bouleversé, cet entretien ? Ah, mais dans un film, on n'y croit pas. Et il y en a eu un la semaine dernière également, alors qu'en plus, on m'a trouvé sur Internet. Si vous voulez, mon CV a été trouvé sur Internet. Alors après, vous allez à l'entretien, on vous dit, au fait, on a oublié de vous dire, il n'y a plus de poste. D'accord ? Ouais. Donc, vous continuez, vous battez, vous présentez, et puis il n'y a pas de poste. En fin de compte, il y en a beaucoup qui veulent vous mettre dans leur base de données. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pourriez articuler un tout petit peu plus, parce que j'ai du mal quelquefois à vous comprendre. Pardon. Excusez-moi, non. Et moi, j'ai, comme je suis timide, là, j'ai mon cheveu sur la langue qui est augmenté par 10. Non, pas du tout, ça, on ne l'entend pas du tout. Si vous articulez, c'est mieux, parce que vous êtes aussi plus compréhensible pour moi. Et bon, je sais bien que c'est assez éprouvant, hein, ce type d'entretien. Bien sûr que quelquefois... On veut juste avoir. On entend de tout. Enfin, j'ai juste envie de leur dire, mais mettez-vous deux minutes, parce que des phrases, il y a des phrases qui n'ont pas lieu d'être à un moment donné. Vous avez été blessé. Vous avez été blessé. Oui, ça, moi j'ai même demandé d'interrompre l'entretien, puisque comme ce n'est pas la première fois dernièrement, maintenant je connais la solution, c'est qu'il faut vite se protéger. Donc moi je ferme mes documents devant eux, je leur dis, bon écoutez, il semblerait que, et puis voilà, sauf qu'ils courent, quoi. Ouais. Parce que sinon c'est aussi, on peut se défouler et puis leur en mettre aussi et leur expliquer plein de choses, ça ne servirait pas à grand chose. Mais ça ferait du bien au ventre, hein, ça c'est clair. Et puis vous pleureriez un peu moins quand vous rentrez. Mais après il y a des gens très très bien. Il y a aussi des personnes qui sont très humaines. Ils font leur travail et moi je remercie avec des mails, enfin vraiment, parce que voilà, elles ont fait leur travail et on en arrive à les remercier 10 000 fois parce que voilà quoi. Ouais, c'est toujours le monde à l'envers, mais bon voilà, Mais quand on vous demande pourquoi vous avez 3 ans de chômage, moi j'ai envie de lui dire, mais toi tu vis dans une grotte. Tu dois vivre dans une grotte peut-être. Ouais, ça doit pas être facile. Donc vous voudriez apprendre la langue des signes. Donc oui, moi et bien entendu, et en même temps troquer contre une personne qui éventuellement a besoin de quoi que ce soit. C'est intelligent ça. Ben, je ne sais pas, mais c'est normal aussi en même temps, parce que même un troc, pour moi, à la limite, c'est déjà... Normalement, on fait les choses gratuitement. Moi, je fais des choses gratuitement en étant au chômage, parce que c'est comme ça. Mais là, c'est la seule chose que je pourrais apporter pour que cette personne puisse me donner à elle la chose la plus belle au monde, c'est-à-dire un peu de son temps aussi. Bon, oui, vous avez raison. Vous avez raison. Donc, et puis en plus, on a tout ça à apprendre. Donc, si en même temps, on peut apprendre autre chose, et en s'entendant bien, et en s'apportant... Bah écoutez, moi j'appelle ça... De l'entraide, une solidarité. Et puis une des raisons d'être sur Terre, voyez ? Vous avez tout à fait raison, Magali. Bon, alors, si je comprends bien, en fait, vous lancez un appel, si quelqu'un peut vous joindre, enfin peut nous envoyer ses coordonnées pour pouvoir vous permettre d'apprendre la langue des signes en échange de ce que vous pourriez apporter, vous. Voilà, vous êtes preneuse, c'est ça ? Ah, c'est fantastique, voilà. Alors après, je précise, je suis sur Toulouse, donc voilà. Vous êtes sur Toulouse. Voilà. Ok, eh ben, on a tout bien enregistré et on a tout entendu. Je vous remercie et puis voilà. Je lance un petit appel à nos auditeurs. Si à Toulouse, il y a des personnes qui sont à même de pouvoir apprendre cette langue à Magali, qu'elles veulent bien nous appeler. C'est la ville où il y a le plus de personnes qui pratiquent cette langue. Ah bon, je ne savais pas. On a même l'université et autres là maintenant. Parce qu'ils ont calculé que d'ici 10 ans, on aurait besoin de 1500 interprètes. Formidable. Donc ils sont en train de le développer. Eh ben c'est bien. Donc, voilà. C'est très bien. Je vous remercie Magali de votre appel. Je me permets de vous saluer bien bas, Caroline. Mais pas bien bas du tout. C'est moi et je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alicia Keys.
Alors, à l'attention de Magali qui vient de nous appeler, je reçois plein de petits SMS. Voilà, déjà cette entraide et cette solidarité entre auditeurs, ça fait plaisir. Alors, monpetitvoyage.com, site d'échange de services d'entraide, c'est de plus en plus actif dans les villes de la part de Sophie Lamalouine. Un autre SMS qui dit « Il existe les SEL, SEL, Association d'échange de services ». Ensuite, un autre SMS de la part de Romain qui dit « Les associations forment gratuitement au signe et on manque cruellement de traducteurs pros ». Un autre SMS, Magali, pourquoi ne pas vous renseigner sur un centre spécialisé pour la langue des signes? Mais ça, j'imagine qu'elle y a pensé. Et puis, je voulais aussi lire un autre SMS qui concernait cette fois-ci le témoignage d'Olivier tout à l'heure. Et qui dit ceci. Avec retard, je voudrais réagir au témoignage d'Olivier. Qu'il soit rassuré, c'est un homme d'une grande qualité humaine et bienveillant. J'ai vécu une situation similaire et la personne qui est mal reporte systématiquement sur l'autre son propre mal-être. Voilà, tout ça avant enfin de parler à Chantal. Bonsoir Chantal. Bonsoir, c'est Caroline. Oui, c'est Caroline. Ah, bonsoir. Eh ben, je suis contente qu'on m'ait pris. Bah oui. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben, oui, je vous appelle parce que je me sens pas bien et je suis une mère battue. Battue? J'étais autrefois battue par mon mari, le père de mes fils. Et là, j'ai été battue violemment depuis juillet 2015 par mon fils. Par votre fils? Ouais. Qui aura 25 ans en octobre. 25 ans en octobre. Donc, il a vu son père vous battre et maintenant, il a pris la relève. C'est bien, j'ai bien compris. Non, parce que mon mari m'a frappé. Mon mari est décédé. Nous avons divorcé en 95. Et Arnaud, excusez-moi, mon fils était petit. Il est né en 91, bien. Oui. D'accord, mon fils était petit. Donc il avait 4 ans quand son père est décédé. Oui, et en plus, mon ex-mari est décédé en 2000 d'une rupture d'anévrisme. D'accord. Voilà, donc mes fils n'ont pas vécu beaucoup. Ils n'ont pas vécu avec leur père, puisque quand il a demandé le divorce, alors que lui me battait, excusez-moi, il ne voulait pas les enfants. Bon. Voilà, j'ai élevé toute seule mes deux fils. Et malheureusement, ce fils qui me bat, qui m'a battue depuis juillet l'an dernier, était malade à la naissance, une faute de l'hôpital. J'habite dans la Sarthe, une faute de l'hôpital, qui m'ont pas fait une césarienne assez vite, mais je recevais des coups de pied dans le ventre pendant ma grossesse. Attendez, je vous entends mal. Est-ce que vous pouvez articuler un tout petit peu plus, Chantal? Parce que là, c'est pas très clair. Donc... Excusez-moi. Oui. Donc, mon fils est né en 91. Oui, ça j'ai bien compris. Votre mari est décédé en 95. Mon fils est né en 91, mais mon fils qui me bat, il était malade de la naissance, mon fils. Qu'est-ce qu'il avait? Eh bien, j'ai reçu des coups de pied dans le ventre pendant la grossesse. Oui, mais ça arrive souvent. À l'hôpital, ah bon? Bah, de recevoir des coups de pied. Attendez, des coups de pied dans le ventre. Des coups de pied dans le ventre de mon mari. Ah, j'avais pas compris, bien sûr. Ah oui, non, ça n'arrive pas souvent. Non. Et quand je peux dire, je suis de la Sarthe. Oui. Donc quand je suis arrivée à l'hôpital du Mans pour accoucher, je ne veux pas accoucher comme ça, mais j'ai perdu mes os, je suis arrivée. Et en octobre 2011, c'était la grève des infirmières. Donc il n'y avait pas... beaucoup de monde pour m'accueillir, personne, et on m'a laissé dans une pièce, on m'a dit vous sonnez quand vous sentez que ça ira, quand vous sentez que vous accoucherez, bref. Et je sais pas pourquoi j'ai sonné, mais moi je tombais vers le coma, et forcément mon fils aussi. Oui. Moi j'ai été réanimée, mais mon fils a été réanimé au bout de 3 semaines. Enfin, il est revenu, il n'est pas mort, mais il est revenu à la vie au bout de 3 semaines. Oui. Voilà, vous entendez? Je vous entends là, je vous entends. Mais quand vous laissez tomber votre voix, il y a comme un chuchotement et je vous entends moins bien. Oui, parce que quand il est venu me frapper la dernière fois,
il a essayé de m'étrangler. Donc j'ai toujours mal à la gorge. Ouais. Et donc mon fils était malade de naissance, il a été insuffisant rénal. Ouais. Et je me suis occupée, je m'occupe toujours de lui, que je ne retravaille pas parce que il pouvait pas manger non plus, donc j'avais un appareil à la maison pour le faire manger, une pompe nutritive, et puis il avait des dialyses péridionales. Et malgré tout, c'est lui qui vous bat aujourd'hui ? C'est lui qui me bat aujourd'hui. Je me suis toujours occupée de lui. Il a été greffé d'un rein en 2001. Mm. En 2011, il s'est fait opérer d'un poumon. Et puis l'an dernier, il a eu un cancer du foie. Le pauvre. Oui, c'est vrai. Le pauvre, c'est-à-dire qu'en fait, il est en colère contre la maladie Je pense. Ouais, il est en colère contre la maladie qui l'attaque depuis qu'il est né. Le malheureux. Mm. Oui, c'est vrai. Alors, je me suis occupée de lui. Je plaignais, je n'étais pas drôle pour toi, tout ça. Et puis, il me disait, moi, je ne peux jamais me faire soigner, c'est fini. Malgré tout, il prenait tous ses médicaments et tout ça. Il allait voir tous ses spécialistes et tout ça. Il y en a beaucoup quand on a tout ça. Et je ne sais pas, à partir du mois de juillet, pourtant la spécialiste du cancer lui a dit « ton cancer est terminé ». Formidable. Ouais. Alors j'aurais pensé que mon fils serait heureux. Non, mais il est en colère. Il est en colère contre la vie. C'est pour ça. Mais oui, il est en colère contre la vie et vous lui avez donné la vie et c'est pour ça qu'il vous frappe. Mais je crois que... Ouais, oui. On m'a pas expliqué ça. Mais moi, je pense que c'est une explication, une des explications. Écoutez, ce serait bien que vous alliez avec lui voir quelqu'un qui pourrait vous aider, un psychologue qui pourrait lui expliquer d'où vient sa violence. Oui, non, mais il a été en hôpital psychiatrique parce qu'il était... il m'a frappé, il s'énervait, il tout cassait tout. Donc les policiers sont venus, l'ont emmené à l'hôpital psychiatrique. Et aujourd'hui, il est où ? Ben, il n'est plus chez moi, parce que ça lui a fait la navette entre chez moi, l'hôpital psychiatrique plusieurs fois. Ils lui ont donné des médicaments, je pense que c'était des bons médicaments, qui étaient, puisqu'il a d'autres problèmes de santé. Je ne pense pas que les médicaments allaient bien avec ça. C'est sûr que depuis des années, les médecins lui disaient « va voir un psychologue ». Mais il faut que vous l'emmeniez, vous, en lui disant « voilà, ce que vous pouvez faire pour lui, c'est lui dire « voilà, fais ça pour moi, on va le faire ensemble ». Et que vous y alliez tous les deux. Non, parce qu'il est parti de la maison, finalement, et il vit dans un foyer de sans domicile fixe. Et il ne veut pas revenir, maintenant. Mmh. Et ça fait plusieurs fois qu'il me frappe et tout ça. Bien sûr. Alors, il me frappe parce qu'il était malade. Non, c'est pas parce qu'il était malade, parce qu'il est en colère après la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il trouve que c'est injuste tout ce qui lui est arrivé. Il a eu beaucoup de souffrance quand même, oui, ce petit. Et bon, il a besoin d'extérioriser sa colère. Vous êtes sa mère et c'est sur vous que ça tombe. Mais ça veut pas dire qu'il vous aime pas. Ah si, parce que j'essaie de le retéléphoner. Il me dit, tu m'oublies, je peux entendre parler de toi. Par contre, s'il revient par là, parce qu'il a besoin d'un papier ou autre, il démolit la porte jusqu'à temps que j'ouvre. Mais oui, et là, violent. La dernière fois que je l'ai fait, eh ben, il a recommencé à me frapper, à m'étrangler, tout ça. Ouais. Alors, écoutez, rien ne justifie qu'il vous frappe. On est bien d'accord avec ça. On est bien d'accord. Il n'y a aucune raison à ce que vous acceptiez. Que lui, il ait cette violence, on le conçoit. Mais en revanche, ça n'est pas pour autant que vous devez l'accepter. Ben non. On est J'ai bien... porté plainte à la Mais police. Mais vous avez bien fait, parce qu'on doit aussi lui rappeler quelle est la loi. Oui, après je regrettais quoi. Je regrettais d'avoir porté plainte. Mais on m'a dit qu'il faut vous protéger, on m'a dit aussi qu'il faut changer de logement, il ne faut pas rester là. Peut-être que c'est pas faux, parce que c'est vrai qu'il faut il faut penser à vous protéger, vous. Vous avez déjà été battue par votre mari. Votre fils, il a, c'est une explication qui est plausible. Vous voyez ce que je veux dire. Mais en même temps, c'est pas pour autant que, vous devez vous laisser faire et que vous ne deviez pas vous protéger. Changer de logement, j'imagine que pour vous, ça doit être compliqué. Mais, la police a souci de bien qu'elle est là pour rappeler les lois. Oui, mais lui, il s'en fiche. Il m'a dit, je m'en fiche, la police. Même si je vais en prison, je m'en fiche.
Maïl, elle a vie, hein. Et maintenant, il a complètement changé. Il dépense tout son argent. Il fume alors qu'il a eu tous ses problèmes de santé. Il s'est mis à fumer. Il se met à se droguer, à boire. Ouais, je crois qu'il s'en... Il n'en a plus rien à faire de la vie. Oui, peut-être. Écoutez, c'est une histoire bien triste. Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il revienne ? Non, il n'y a plus rien à faire. J'ai tout fait, j'ai parlé gentiment pour qu'il revienne à la raison. Mais je crois que vous êtes impuissante. Pour l'instant, vous êtes impuissante. Vous êtes impuissante et vous devez surtout penser à vous protéger, vous. Parce que c'est pas, vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Donc, bien sûr que c'est douloureux de voir son enfant, parce que, enfin, votre fils, parce que j'imagine que malgré tout, il doit être dans un grand état de souffrance pour en arriver là. Il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert dans son corps. Il a beaucoup. Il doit trouver que la vie lui fait payer cher quelque chose qu'il n'a pas commis, hein. Mais et ça se retourne contre vous et c'est inexcusable, on est bien d'accord là-dessus. Mais en attendant, s'il est parti, s'il veut plus entendre parler de vous quand vous téléphonez, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi peut-être lâcher prise et penser à vous. Et être battu, c'est pas votre lot sur terre non plus. Non, mais j'ai failli. Oh, s'il y avait pas eu les voisins, je crois que je serais morte maintenant. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous ne pouvez pas déménager ? Bah, j'ai demandé des HLM. J'ai fait des demandes HLM. Ouais. Il y a plusieurs HLM en Sarthe et j'ai demandé un logement. Bon bah, pour l'instant il n'y a pas. Si on m'avait proposé une petite maison, une maison d'HLM. Et alors ? Mais elle était en pleine campagne et moi, j'aime pas la campagne. Enfin, il y avait 15 km de route, c'était que de la campagne. Alors je me dis, ben oui, parce que j'habite en ville, je me dis, je vais me retrouver. Il n'y avait même pas un commerce. Non, c'est trop dur, je veux dire, pour vous, de vous habiter toute seule, vous retrouver en pleine campagne, ça serait trop difficile. Bon, c'est vrai que c'est une situation un peu complexe. Mais tous mes amis m'ont laissé tomber. À chaque fois que je les appelais, ils disaient, appelle la police. Oui, voilà. oui, mais c'est vrai, parce que la police est là pour rappeler que les lois existent et qu'on n'a pas le droit de faire violence sur autrui, et encore moins sur sa propre mère. Oui. Donc, j'ai toujours peur qu'ils reviennent. Vous vivez dans la peur et en même temps... Écoutez, si jamais vous parveniez à faire en sorte que vous voyez quelqu'un, tous les deux, un psychologue dans un centre ou dans un hôpital, ça serait bien. Moi, je vois une psychologue. J'ai vu une assistante sociale par la police, ouais, qui m'a contactée. Et je vois une assistante sociale, une psychologue au tribunal. Bah, c'est très bien. C'est très bien. Mais c'est pas une situation facile que la vôtre, Chantal. Non, c'est pas facile. Je suis d'accord avec vous. Ouais, et même quand il était à la maison, entre le mois de juillet et le reste, bah, des fois il faisait des choses pas possibles. Le jour, il voulait pas manger la nuit, m'enfermer dans ma chambre, il voulait me voler mes papiers. Oui, parce que attention, la maladie lui donne pas toutes les excuses, mais il a quand même beaucoup souffert. Ouais. Écoutez, de la part de Fleur, j'ai un petit SMS qui dit « Vous êtes sûrement prioritaire pour avoir un logement. Il faut préciser pourquoi vous le demandez un autre logement et bon courage à vous. » Ah ben, elle est gentille, la dame. Ouais. Elle est gentille. Écoutez, essayez d'insister auprès de cette assistante sociale. Peut-être qu'elle peut vous aider davantage. Les assistantes sociales n'aident pas dans les logements. Ah bon ? Et le tribunal ? Non plus. Non, c'est à moi avec mon médecin. Il m'a fait un certificat médical. C'est à moi de voir pour les logements. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Mais je comprends. Vous êtes ému, puis c'est difficile. Non, c'est parce qu'il m'a enfoncé la glotte. Puisque la dernière fois, il voulait vraiment que je meure. Il me serrait le cou. C'est pas la première fois.
Et depuis, j'ai très mal. Bien donc, sûr. Pour parler longtemps. Bien sûr. Alors, j'ai plus qu'un mouchoir, là, pour parler bon, plus fort. Voilà. Écoutez, je vais pas vous questionner davantage. Merci de votre appel, en tout cas, Chantal. Et puis, j'espère que vous allez rapidement trouver un logement qui va faire que vous puissiez vous sortir d'affaires. Je vous remercie de votre appel. Ben, c'est gentil de m'avoir dit tout ça. C'est bien gentil, Caroline. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Au revoir, Chantal. Merci à la dame. Merci bien. Au revoir, madame. Ah. C'est gentil. Pour parler à Caroline Veil, appelez le 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Et Michel est avec nous maintenant. Bonsoir Michel. Bonsoir Caroline. Je suis un petit peu surprise parce que j'avais laissé un message, je crois, c'était le vendredi soir auprès de Corentin. Eh ben vous êtes là, voilà. Oui, et je vais raconter en fait toute une épopée de ma vie, en lui disant que j'étais très vieille effectivement. Et je voulais parler, je ne sais même plus très bien ce que je voulais dire. Bon, je voulais raconter en tout cas parce qu'il a été très intéressé par mon parcours et je voulais en discuter un petit peu. Oui. Alors, vous avez le topo de mon parcours ? Oui, mais ça m'intéresse que ce soit vous qui le fassiez. Bon, alors, que lui ai-je dit ? Donc, je vais vous le dire. Alors, je suis une vieille dame actuellement, mais j'étais une petite fille qui est née à Varsovie. Oui. Donc, en 37. Oui. Et deux ans après, dans une bonne famille, en fait, etc. Et 2 ans après, Varsovie a été... encerclé par les Allemands et tout par les Soviétiques. Et on est parti de Varsovie. On était dans une autre ville et mes parents voulaient retourner à Varsovie. Mais comme j'ai eu une double bronchopneumonie à ce moment-là, c'était à Białystok, je crois. Donc on n'a pas pu rentrer à Varsovie. Donc j'ai sauvé la vie de mes parents. Formidable. Alors de là, donc, ma mère était d'origine russe et mon père polonais. Et après, donc, on a été Staline, nous a envoyé vers Arkhangelsk. Oui, c'est dans la les ville goulags. Qui se trouve, qui se trouve au nord-est de l'Union de l'ex-Union soviétique. C'est-à-dire qu'en fait, vous étiez dans les goulags de Staline. Dans les goulags de Staline. Ma mère travaillait comme alors qu'elle n'avait jamais travaillé de sa vie. Du moins, elle a fait des études. Et mon père n'était pas tout le temps là. Il se sauvait un petit peu. Enfin, il voulait pas être pris par l'armée rouge. Oui. Alors là, on est resté, ça fait un an et demi. Il faisait très, très froid. Bah, j'imagine. Très froid, très... très curieux. On a voulu partir par se sauver à un moment par la Suède, enfin, du côté de la Suède. Bon, ça n'a pas pu se faire. Et à un certain moment, quand Staline... est entré, enfin, à. Staline a. Oui, à un moment, donc, les camps, enfin, les goulags ont été fermés, et toutes les personnes ont été renvoyées vers l'Asie centrale, la Sibérie, l'Asie centrale, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, et. Par des trains, enfin, parce que au moment où il y a eu la rupture de la guerre entre Ribbentrop et puis Staline. Alors, pour résumer, parce que vous savez, on arrive en fin d'émission, oui. Hélas, je vous êtes arrivée en fait en France à 8 ans. Alors, je suis arrivée en France à 8 ans, en traversant toute la Russie. Toutes ces terres, toute la Russie, la Pologne, l'Allemagne. En trouvant que la France était très très belle, je suis tombée amoureuse de Paris, qui était vraiment extraordinaire. Et là, j'ai commencé
Là, j'étais à l'école, à moi. Je suis arrivée en 47, oui. Et je suis allée à l'école un mois après. C'est bien. Dans le 7e arrondissement. Oui. Bon, mais j'ai appris à parler, parce que je parlais. Auparavant, je parlais le polonais, le russe et le kazakh. Oui, mais bon, pas là, le français. J'ai appris le français assez rapidement. Et bon, il n'y a pas eu de problème, hein. J'ai fait l'école communale de la rue Chemel, donc c'est là à Paris, près du Bon Marché. Et après, j'ai fait le lycée Victor Duruy. Formidable. Et après, bon, j'ai fait médecine, propédeutique d'abord, médecine. Bravo. Et psychiatrie. Waouh. Et j'ai eu la médaille d'or des hôpitaux psychiatriques. J'ai fait un tas de trucs. Bon. C'est un mémoire que j'ai écrit. Enfin bon, j'ai fait plein de choses. Et après, donc, je me suis installée d'abord... j'ai travaillé pas mal à Sainte-Anne. Après, je me suis installée dans un Saint-Pépé. Oui. Que m'avait donné le professeur Lebovici à l'époque. Oui. Et puis, après le Saint-Pépé, donc, dans des différents dispensaires. Et après, je me suis installée... j'ai travaillé pendant 43 ans. Et vous avez une histoire magnifique, hein, Michel. Magnifique. Les 20 dernières années, je voulais les faire en libéral. Alors, comme je travaillais à Pantin, je suis allée à Aubivier, du coup. Et puis, là, j'ai fait tranquillement. Je me suis arrêtée en 2006. Alors là, qu'est-ce qu'il y a eu là ? Il y a eu, la dernière année, il y a eu les problèmes des... il y a eu toutes les... là, je suis un petit peu fatiguée. Vous êtes fatiguée. Oui, il y a eu des manifestations en 2005, à la suite de ces deux jeunes qui sont partis dans les... qui ont été électrocutés. Oh là. Alors, bon, pendant que je travaillais, bon, il y avait une voiture qui brûlait à côté, les gens venaient me voir, mes patients, puis d'autres, pour voir ce qu'on va faire, etc. Puis malgré tout, bon, je pense que il y a beaucoup de mes ex-patients, parce que j'étais pédopsychiatre, neuropsychiatre, et ouais. je m'occupais des enfants, des jeunes et des moins jeunes, des adultes. Et bon, il y en a beaucoup qui sont pas mal sortis, et c'était, alors après j'ai écrit, donc quand j'ai pris ma retraite, j'ai écrit un livre sur la partie de mon enfance. C'est incroyable. Ça faisait longtemps, oui, finalement, comme demander d'écrire ce livre. Et je crois je m'excuse d'accélérer un tout petit peu votre récit, mais je crois qu'avec les attentats, vous vous êtes sentie très bouleversée. J'étais bouleversée, par surtout, les premiers en 2015. Enfin, j'en avais vu d'autres, en 84, 94. J'étais bon, et puis j'ai vécu dans un truc. Mais ce qui m'a bouleversée, bon, je veux dire, déjà le Bataclan surtout. Oui, bien sûr. Le Bataclan, puis. Et là, tout ce qui s'est passé au niveau des cafés dans le 11e arrondissement, parce bien que c'est un arrondissement que je connaissais bien, et j'avais travaillé assez longtemps à Saint-Louis. Mmh. Et là, bon, je veux dire, le fait qu'il y ait eu l'attentat de Nice, je me suis d'abord demandé pourquoi, personnellement, pourquoi on faisait des attentats alors qu'on était en service d'urgence, quoi, finalement. Puis j'avais, on voyait le feu d'artifice de Paris, que j'ai regardé, je me suis dit, il y a quelque chose qui va se passer, C'est mon côté un peu médium. Oui, un pressentiment, une intuition. Oui, et puis j'écoutais, c'était Nice, affreux, avec le truc, alors là, c'est... J'imagine que vous êtes très bouleversée. Oui, ça m'a bouleversée, je veux dire, et puis je me suis dit, si...
je suis pas à côté. Si c'était à côté, j'aurais pu aider par la suite, enfin les enfants. Vous êtes super, Michel. Vous êtes incroyable. Oui. Quelle vie vous avez eue et quel don de vous aux autres. Et durant ma vie, j'ai failli mourir tellement de fois. J'ai eu tellement d'horreurs. Oui. Bah, ça a commencé tôt pour vous. Hein. Bah, ça a commencé très tôt. Hein. Oui, il faut bien dire. Ouais. Mais quel courage vous avez eu, quelle ténacité, quelle intelligence. En tout cas, bravo. Bah, c'est la volonté, le courage. Oui, ouais. Le travail aussi. Oui, le travail, avoir envie de... besoin de faire quelque chose. Et surtout, c'était mon choix de travailler dans des endroits, si vous voulez, un petit peu difficiles. Et je ne voulais surtout pas prendre, faire des, en tant que médecin, faire des prix. Enfin, j'ai fait juste ce qu'il fallait. Et je voulais redonner, si vous voulez, pour des gens difficiles, je voulais redonner ce que l'école française... Vous avez donné à vous. Je voulais redonner ça, finalement. Ouais. Vous aviez besoin de réciprocité. Oui, de rendre, enfin de repartager, enfin de bah c'est une c'est une réussite. C'est une réussite. J'espère qu'on va se parler très prochainement à nouveau sur Europe 1 parce que vous avez une vie incroyable, vous avez une voix incroyable, vous le racontez bien. Et je suis vraiment heureuse d'avoir partagé avec vous cette fin d'émission, Michel. Qui s'achève, donc je dois vous dire au revoir et à très bientôt. Et surtout, merci de nous avoir appelés. Merci à vous. Merci, au revoir. Et bonne soirée. Bonne soirée. Vous écoutez Europe 1, il est 1h. Je vous retrouve demain à 22h. Et tout de suite, Thomas Joubert et le grand direct des médias. Très belle nuit sur Europe 1.